sous cap passé, peuple haïtien pas suspend étonné. Oui, Haïti gagne une nouvelle présidente. Et président Silla a gagne écrit premier ministre Ariel Henry pour le dire comme ça. Gardez garçon, balayer palais national, ranger chaise, décorer puisque dans jour cap vini yo là, faut que moi installer. Elle gagne autorisation blanc derrière lui s'il vous plaît. Haïtien, nous pral lion note. Que président l'ensemble avec tout premier ministre li mette de yo rale chez ou. En pile habitant nan bouk ti rivière la Tibonite continue à monter le ciel pado. En bas men bas grand griffe nan sa vie. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ces gros calamités yo a passé en bas men yo. Yo adresse yo ensemble avec autorité yo, tant pri souple pour yo prendre yon décision. Zak insécurité pas suspend mette de l'eau dans le peuple haïtien. Dans quartier Onaville, yon dame qui a 30 l'année perdi Maril. Bandi rentre la kaili, tire Maria en présence li. Actuellement là, li lage dans la rue ensemble avec des timoun soubral sans secou. Groupe contestation politique pour yon compromis historique qui te signé accord 21 décembre. Dresse yon bilan catastrophique de l'année gouvernance Ariel Henry dans tête pays. Dirigeant yon nan strict ça. Reconnaître quelques si j'ai fort qui fait, mais bilan gouvernement Ariel Henry très très négatif. Responsable yon nan mouvement 29 mars apparaît pour fouler béton 20 juillet kap vini la. Eh bien, marche sa peuple haïtien yon ap ge pou yon organise, c'est pour exiger départ premier ministre Ariel Henry d'après yon qui rend la vie population impossible. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté, Foucault et Sévère kap présente ou édition sa. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou Foucault. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, regardez l'image ça avec nos peuples haïtiens. Point de traître, du sol soyons seul maître, marchons. Oui! Jean wap gade image la la, peuple haïtien, c'est président la ka prete seman. Bagay mbata pense, bagay ou bata pense tout. Eh bien, dame, sa wap gade la, ka prete seman, li rele Irène Clergé. Son petit pays, mesdames, mademoiselles et messieurs, rien n'était possible. Dame si la qui autoproclame tête li comme président, bon, si Ariel Henry participe dans tout yé président pour le premier ministre, c'est pas dame sa qui pata ka kampe pour le dire le président pays d'Haïti. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dame sa wap gade la, qui rele Irène Clergé, li se yon avocate. Et non seulement sa tout, frères et sœurs bien-aimés, dame si la prête serment. Dans la date qui était 5 juillet 2021, bon, ou pas trop courant, pas trop courant. Parce que jodi a 11, tu comprends? Li prête serment dans Vivi Mitchell dans yon ti chom kay. Je wap gade image là là. Comme président pays d'Haïti. Cérémonie en te déroule brit sous couvre, c'est ce bien-aimé, te gen chaise rangée, te gen tapis ou drapeau, mais on dirait, papa, ici, c'est ton théâtre qui t'a fait, mais. Vous connaissez, vous passez pas une fête de théâtre nous chaque jour. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, c'était cérémonie investiture qui t'a déroulé dans Tichamkaï ou Abgade là, 5 juillet, dans Vivi Mitchell. Eh bien, pendant cérémonie ça, t'as eu des blancs qui étaient là.
Ou qu'on est dans le pays d'Haïti, il faut toujours être blanc. Eh bien, on est capable, madame nan li même, qui lève mel, qui prête seman dans nos peuples haïtiens. Et frère, c'est ça bien aimé, madame Silla, qui te prononce en janvier qui saute passé à là, li te fait qu'on est, li reconnaît tout problème pays d'Haïti. Et immédiatement, le fin installé dans tête pays, ou met poso. Li pral mette fin ensemble avec problème essentiel yo. Donc, c'est renforcer institution l'État yo. Ça, c'est objectif président lan. Diminuer corruption dans institution yo. La bge pou sécuriser pays ya ak population. Mette en place yon structure pour faciliter élection capable fait dans yon délai très raisonnable en dedans pays ya. Donc, frères et sœurs bien-aimés, madame Irène Clerget qui décide de suivre trace, ancien premier ministre Gérald La Tortue, appuyez sous article 149 dans la Constitution 1987 là, pour que l'y capable saisir pouvoir. Et dernier coup pour tout yé coucou, c'est notre ça, frères et sœurs bien-aimés. Bonne présidentielle. Hein? Mette Irène Clerget, bonne présidentielle là. Eh, yo écrit Ariel Henry depuis 3 juillet, frères et sœurs bien-aimés. Yo mande premier ministre Ariel Henry, gade, dégagez le préparer palais national, puis vite possible, pour que président là capable installer dans palais national. Et puis, frères et sœurs, en bas notre ça, n'a pas joué une plusieurs non. Oh, fan li non yo pou, gen sénateur Robert Menendez, USA, Monsieur Anthony Blinken, Marie-Isabelle Salvador, qui se représente binu dans le pays d'Haïti, Son Excellence Ariel Henry, Monsieur Josué Pierre-Louis, secrétaire général Palais National, Monsieur Franz Elbey, qui se directeur la police, et puis, gen représentant Vatican, ensemble avec l'Église catholique, ambassade les États-Unis et Canada. Ça y moun yo salye, je ne sais pas. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, ce nouveau président en pays d'Haïti, li dit Ariel, fait place, s'il vous plaît, parce que, plus vite que possible, faut installer, li gen mission pour pays d'Haïti. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, son pays théâtre, son pays qui est spécial. C'est nouveau président nous, hein. Quitte, commentez pas ou dis-nous sans penser de nouvelles président ça qui prend le travail pour résoudre problème insécurité dans le pays. En tout cas, chaque jour qui a passé, les Haïtiens, yo pas suspend étonné. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Groupe concertation politique pour yon compromis historique qui te signé accord 21 décembre dressé. Yon bilan catastrophique de l'année gouvernance Ariel Henry nan tête pays ya. Dirigeant yon nan stricti sa. Conscient pays a vin pi mal pendant de l'année sa yo, mais yon reconnaît quelques petits efforts qui fait. Mais bilan gouvernement Ariel la très très grave. Yon reportage ensemble avec Kimberly Wagnac. Même le nous noter, il y a une certaine volonté pour libérer la douane des emprises politiques. Même le nous noter, il y a une certaine volonté pour nommer dans tête parquet yo monde qui compétent et qui honnête sous base concours qui annoncé pour ça. Même le nous noter dans tête ensemble avec association Jujio et puis l'autre acteur dans chaîne pénale là et suivant accompagnement certaines institutions internationales, y arriver compléter CSPJ à coup de cassation. Mais globalement, la situation du pays est inquiétante
à tous les niveaux. Depuis les fins installées dans notre pays à la date 20 juillet 2021, la majorité secteur dans le pays d'Haïti montrait au pas satisfait façon Haïti à diriger à cause tout problème yo vini un seul coup. Moun qui était mal à vin pi mal, pendant premier ministre Dr. Ariel Henry te rencontré différents acteurs politiques pour te mettre sous pied un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace pour la période intérimaire qui était signé à la date 11 septembre 2021. Malgré ça, rien pas jamais dit pour ta soulager moun qui n'a nécessité yo. Il y a une situation qui paraît préoccuper groupe concertation politique pour un compromis historique qui présente un bilan négatif sous travail premier ministre là. Aucun pays ne sort indemne de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire dégradation situation pays a commencé bien avant deux dernières années qui sont passées au là. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible des secteurs qui a pu critiquer situation paysan, des secteurs qui a critiqué mauvaise gestion gouvernement dans la mesure où ces gouvernements qui gagnaient réalité pouvoir. Pour nous-mêmes, dans la concertation politique pour compromis historique, là, deux dernières années, c'est aussi un bilan négatif pour les forces en présence. Lors même que groupe concertation politique pour compromis historique signe un accord 21 décembre 2022 qui fait de nous un partenaire de Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de cet accord, le bon sens, la décence et la morale politique obligent nous reconnaître que situation paysanne n'a pas amélioré depuis deux dernières années. Groupe concertation politique pour un compromis historique qui gagne la dalle ancien député Abel Descolines avec Vickerson Garnier dit pays à pas diriger. Yo mettez sous table la calamité lamentable yon catégorie mon ap vive. Pendant yo dit yo espérer un climat la paix retourner dans tout pays a pour pi bon fonctionnement institution yo. Nous constatons depuis deux ans presque tout secteur a dénoncé pouvoir premier ministre Ariel Henry. Depuis deux ans presque yo tout a réclamé des pas premier ministre Ariel Henry. Mais ça fait tout deux ans. Depuis presque yo tout dit y a travail pour joindre un consensus entre yo, deux ans après, presque tout acteur sa yo en ordre dispersé. Deux ans après, accord qui te paraît comme plus ou moins une démarche acceptable, au lieu pour accord ça a renforcé, li désagrégé, pour non pas dire disloqué. Dans le niveau concertation politique pour compromis historique, là, on a demandé est-ce que nous allons continuer à faire un peuple à souffrir, à obtenir un consensus largement large qui n'est pas jamais arrivé. Nous apprécier éventuellement résolution que Nations Unies prend, une résolution de AG récemment qui prend, et visite tout de secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et dans la résolution, ça a trois gros bails qui sont fondamentaux. Donc, une là-dedans, c'est rétablir la sécurité le plus rapide, ou autrement dit, de façon illico. Donc, à cet effet, dans la mesure où pour nous rester dans la ligne, dans la résolution, nous pensons que, et pour gagner des dispositions qui liées avec bien sûr la présence des forces internationales, qui vous permettent que le pays est capable de jouer une sécurité hein, pour tout Haïtien et Haïtienne capable de faire activité libre. Groupe concertation politique pour un compromis historique qui était signé encore 21 décembre, dit a toujours été accroché à un nouvel Haïti. Cependant, il a espéré un consensus joint en dirigeant pour sécurité retourner, pour faciliter la réalisation de l'élection. Nous notons la visite du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, et qui renouvelait volonté Nations Unies et l'OEA quelque part pour accompagner Haïti, gagner un processus. Certains relais ont processus de paix entre des gangs rivaux, ce dont nous espérons que la paix capable de retourner, que la sérénité, la quiétude capable de retourner dans tout pays pour de bonnes élections faites dans pays pour pays capable de retrouver normalité institutionnelle. C'est pas pour une première fois Haïti a traversé un passe difficile, mais fois ça problème yo vinn pi compliqué et malgré toute responsabilité premier ministre Ariel Henry, li montre li toujours prêt pour répondre à exigence population. Yon promesse qui n'a pas de date, ça qui la cause yon groupe moun ap cherche justice pour tête yon. Soit dans le mouvement Bois Kalea pour faire face carré ak bandi, pendant yon l'autre groupe rete là ap ten la grâce tombe sou yon. Yon situation qui pa épanye même ti moun piti. Question kap pose, ki la autorité pa bo ici ta pren conscience pour tout moun kapab rale en souf. Kimberle Iwanyak, TAC 509. Dirigeant groupe concertation politique pour yon compromis historique, critique protagoniste yon. Qui pendant des années a réclamé des pas chef là alors que yo pas jamais ka entendre yo pour yo joindre un consensus largement large dirigeant politique la fait qu'on est population
raté transition coupé fâché a. Li mande population pour que yo organise yo les élection pour choisir moun ki compétent pour vin diriger. Li mande chef gouvernement pour passer de paroles à action, pour le travail, pour mettre campé KEPA et élargir consensus là, remanier gouvernement. Abel Décolline, t'es dans micro tax 509. Nous constatons depuis 2 ans, presque tout secteur a dénoncé pouvoir Premier ministre Ariel Henry. Depuis 2 ans, presque tout a réclamé départ Premier ministre Ariel Henry. Mais ça fait tout 2 ans. Depuis presque tout dit y a travail pour joindre un consensus entre eux, 2 ans après, presque tout acteur sa yo en ordre dispersé. 2 ans après, accord qui te paraît comme plus ou moins une démarche acceptable, au lieu pour accord ça a renforcé, les désagréger, pour non pas dire disloquer. N'a demandé, est-ce que nous qu'à continuer, faire un peuple à souffrir, à obtenir un consensus largement large, qui ne peut jamais arriver. Pour nous, dans la concertation politique pour compromis historique, là, ça paraît comme une forme de cynisme politique. Dans le niveau de concertation, nous avons toujours fait effort pour bailler les peuples haïtiens la vérité. Nous avons raté la transition de rupture. Désormais, les peuples haïtiens ont pu organiser avec intelligence les conditions qui vont réunir pour une élection dans le pays. Pour peuple là faire choix moun ki compétent et qui conséquent moun ki gen vision yon façon pour nous capable gagner dans tête paysan à tous les niveaux yon pouvoir de rupture. C'est pour raison ça concertation politique pour compromis historique là a demandé Premier ministre Ariel Henry pour lui passer de la parole aux actes, à savoir faites tout ça qui nécessaire dans yon temps record pour élargir consensus là. Procéder à formation d'un gouvernement avec monde qui a le sens de la gouvernance, le sens de la responsabilité. Soumettre by ACTA non personnalité qui doit faire partie d'un conseil électoral équilibré. Parce que pour nous-mêmes, dans le niveau concertation, toute alternance de transition en transition capable de conduire le pays à dans sa nourrilée en boîte de Pandore. Je dis, c'est Premier ministre Ariel Henry, avec ses partenaires, ses alliés, qui a dirigé transition. Si demain, par la force des choses, par la force des événements, on obtiendrait le départ du Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, il faut espérer, et nous en sommes presque convaincus dans le niveau groupe concertation, hein, groupe qui t'a gagné pour remplacer Premier ministre Ariel Henry, pour le joindre en face, yon l'autre énième catégorie d'acteurs qui pourra le remettre en question deuxième pouvoir transition ça et qui pourra exiger il faut que ce soit eux-mêmes qui prend pouvoir pour capable réussir transition. Parce que la réalité, depuis 2 ans, il n'y a consensus entre personne. Ça nous t'avait considéré comme consensus, c'est de bagailles, nous t'a qu'à considérer comme consensus de faux semblants. C'est raison ça yo, qui fait groupe concertation opter pour l'organisation des élections en passant bien entendu par le rétablissement de la sécurité. C'est raison ça qui fait groupe concertation t'est rentré dans accord 21 décembre 2022 à, sous base des objectifs. À savoir, rétablir sécurité dans le pays, hein, mettre en place un conseil électoral équilibré, permettre que le pays en doté d'un gouvernement responsable et latri. Il y a des secteurs ou de groupes qui dénonçaient le Premier ministre Ariel Henry qui a dirigé le pays hein, depuis 2 ans sans aucun contre-pouvoir. La réalité, c'est vrai. Le Premier ministre n'a pas gagné aucun contre-pouvoir. Mais pour nous, dans le niveau concertation politique pour compromis historique, là, la vraie vérité, c'est que il ne peut y avoir de contre-pouvoir dans le cadre d'un pouvoir de transition. Le seul moyen d'avoir le vrai contre-pouvoir, c'est à travers des élus qui sont sortis dans l'élection. Dans même journée, ça, peuple haïtien,
Gen Valérie Dutreil Jacques, membre groupe contestation politique pour un compromis historique. Kouè, c'est une nécessité pour élection organisée dans pays à Anessa. Cependant, il fait qu'on est, faut condition sécurité réunie pour ça capable rive fête. Valérie Dutreil Jacques, t'es parlé dans micro. Taxe 509. En deux concertations, nous privilégions la pluralité politique. Cependant, la majorité en tranché, il dit que maintenant qui direction pour aller, donc par élégance, par respect pour la majorité, donc le docteur Force et le docteur Emmanuel Ménard de Force Ouverture et Réformiste, il fait en ligne, donc mes concertations, fidèles à l'INI et majorité, tout le fidèle avec l'INI que l'air poursuivre, qui est lié avec réel politique, qui est lié avec Desdrata et concertation politique. Élection, il doit possible, mais pour possible, gagner des prémices, gagner des préalables qui c'est d'abord la sécurité. Donc sécurité, c'est ça que fait. Nous apprécier éventuellement résolution que Nations Unies prend, une résolution de AG récemment qui prend, et visite tout de secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et en dans résolution, ça a trois gros bails qui sont fondamentaux. Donc une là-dedans, c'est rétablir sécurité le plus rapide, ou autrement dit, de façon illico. Donc à cet effet, dans la mesure où pour nous rester dans la ligne, dans la résolution, nous pensons que et pour gagner des dispositions qui liées avec bien sûr présence des forces internationales qui vous permettent que le pays est capable de jouer une sécurité hein, pour tout haïtien et haïtienne capable de faire activité libre. Alors il faut faire des décantations et nous autres, malgré que nous sommes signataires et acteurs en d'accord 21 décembre, mais nous n'avons pas porte-parole au gouvernement. Cependant, nous-mêmes avons exigé sa population, nous avons exigé sa tout secteur demandé à travers bien sûr accord. Et son choix pratique et pragmatique. Parce que je dis, ce n'est pas sous poids macadam, non, nous sommes capables de déshydrater, mais c'est à travers l'accord. C'est ça qui fait nous tiens, nous tenir mordicus pour capable d'implémentation l'accord pour le résultat que nous avons. Nous avons quitté Port-au-Prince, nous avons jambé dans le nord-ouest pays. Secrétaire Chambre Commerce et Industrie nord-ouest, M. Wesley Lorfis, qui t'a prononcé sous avenir pays. Deux ans après la mort chef d'État, président Jovenel Moïse. Fait qu'on est politicien dans le pays, yo, yo son paquet malade mental qui empêchait pays à prendre chemin développement. Il prend exemple sous ancien locataire palais national là qui t'a bataille pour ouvrir le peuple là dans faire développement durable, mais malheureusement politicien corrompu t'a gagné plan bien déterminé pour te assassiner caractère et même river assassiner les physiquement. Maître Wesley Lorfis, ten amico Jebson Petit. Ça c'était d'abord assassiner caractère Jovenel, deuxièmement assassiner physiquement, troisièmement c'est assassiner mémoire. C'est dans phase assassiner assassiner mémoire nous y qu'on y a. Donc c'est que tout ça ou songez les touyer empereur 40 ans plus tard, personne monde pas capable parler des causes comme ça. Donc, il y a un bon proverbe haïtien qui dit pas de monde qui connaît qui mort qui touye l'empereur. C'est de Jean-Jacques Dessalines qui a parlé. Depuis vous parlez de baïsa, vous mettez un doigt sous bouche, vous dites hey, papa aller dans cause monde ici non. Et vous entendez pas parler dans cause monde yo, pas parler de cause la mort Jean-Jacques Dessalines. Comme je dis, nous sommes à l'ère de la technologie, nous sommes en démocratie, nous sommes capables de parler de la mort Jovenel là. Mais vous avez fait pour Jovenel passer. D'abord, quantité de monde qui mettait dans la manifestation avec Gokob, son façon pour vous rendre une perception que Jovenel c'était un impopulaire. Mais toute image là, il y a tout ça qu'on a fait. Donc côté, il t'a pas mettre un paquet pour bagaille irrigation, pompe irrigable avec panneau solaire. Monsieur t'a mettre courant 24 sur 24. Monsieur a déniché côté que l'État qu'on a payé 12 millions de dollars par mois pour 4 heures de courant dans l'ouest seulement. Côté que monsieur t'a fait des commandes des engins, lou matériel pour l'État puis c'est bibay pépé mon dit pas gè moun ki ka di rien. Mon a prêté l'argent dans on a tout côté prier que c'était ou pas ka di rien. Donc monsieur a fait barrage Marion côté mon nan nord-est t'a pas gagné accès à de l'eau plus électricité. Il gagne rivière massacre. Donc t'a pas pour une prise sous lit pour nous ka produire électricité pour nous faire irrigation. Jovenel mettait combien usines asphalte un peu partout. C'est Jovenel qui fait nous connaître. Un kilomètre route, c'était 400 000 dollars. Alors qu'avec Neyo, c'est 1 500 000 dollars pour un kilomètre route t'es fait. C'est Jovenel qui te fait nous comprendre que route Kafoujov pour de paix est possible. Route Banod West est possible. Route Ansafo le pour de paix est possible. Et vous remarquez, même route Bidaf est financé. Yo tout y est Jovenel en juillet, mais en août, tout ça n'a pas commencé. Il a été inauguré. Mais voilà que deux ans plus tard, les travaux n'ont pas démarré. Donc, tant que le département nord-ouest a des hommes et des femmes, des jeunes conséquents, donc tant que nous, là, nous autres,
intellectuels, nous autres éléments élites de l'économie intellectuelle, etc., des jeunes tant que nous qui fait effort, des journalistes tant que nous qui pas vendre micro, eh bien l'espoir est toujours là tant que gain monde, tant que gain espoir. Depuis peut-être pour couper, nous avons espéré mettre chapeau. Donc pour ça fait que penser, mais avec monsieur Sayo, si c'est avec monsieur Sayo, pas gain ni justice pour Jovenel, pas gain ni espoir pour aucun côté dans pays, parce qu'il est pas capable, c'est pas des monde qui gagne ça pour les questions de développement. Et pour faire développement, faut passer par stabilité. Faut que quand même, ou gagne tout un paquet d'exécution, paquet de démarches pour faire dans le pays. J'ai un système nous en montée. Faut qu'on président. Je dis, imaginez que président ou pas, n'est pas Ibrahim ici refusé pour nous gagner un exécutif bicéphale. Donc, ça ne fait que c'est des mounions qui égoïstes qui vont être que seulement. Dès pour parler au président, pour parler national, Ariel a un problème. Si bien que même HCTA, qui sont organes exécutifs, ou est-ce que c'est nos ministères, là, le mettez, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est le symbole, il n'est pas d'accord pour mettre au chit CG dans le palais national, parce que si on n'a pas le national, il est sous tête. Li. Donc, c'est avec Mounsayo, ce n'est pas aucun espoir pour les pays. On a toujours un grand goût, on a toujours un sous-développement, on a toujours un kidnapping. Donc, c'est soit yo aller de propre gré, yo bay démission, c'est soit yo force yo aller, ou bien yo rete, yo font mea culpa. Yo font belle élection, sans coquin, sans voler, puis yo transfert pouvoir au fait, et puis nous rentrer dans la stabilité. Merci. Responsable yon nan mouvement 29 mars yon annonce yon mouvement protestation jeudi 20 juillet kap rentre la. Kap marqué de l'année depuis Ariel Henry nan tête pays ya. Yon nan dirigeant mouvement politique la ki se Léonard Jean-Renaldo dil constate de l'année si la se échec sous échec. Kote taux inflation, insécurité à kidnapping pas suspend augmenté pendant gouvernement Ariel la. Pas jamais poser une action concrète pour résoudre crise là. Li lance un appel by tout secteur dans vie nationale là pour porter coller dans mouvement ça pour l'al exiger des pas premier ministre Ariel Henry dans tête pays. Après Ariel, deux ans depuis Ariel, grand pouvoir d'assaut. Voter madame Hélène Laline, déplacer Ariel comme gouverneur dans le pays d'Haïti. Deux ans ça, c'est deux ans d'être chargé. C'est deux ans moun a mouri. Pendant deux ans ça, quantité moun qui mouri dans le pays qui en guerre, pas gen tout moun sa ou mouri. Gen plus kidnapping qui fait dans le pays. Malheureux, malheureuse yo. Le quartier défavorisé yo. Ariel voyait mettre au dehors brûler cailloux. Nèg, femme qui n'a fusion, qui n'a SDP, yo associé avec Ariel pour qu'il tue les gens qui plus pauvres dans le pays. Peuple haïtien, nous assez intelligents. Nous avons profité de l'occasion pour nous féliciter. C'est que des protestants hier qui mettaient en pile dans la rue. Nous avons demandé à l'église catholique pour faire la même chose. Moun maçon loyo, produisant toute couche sociale en deux pays, nous avons demandé pour que nous rejoignions mouvement 29 mars, cri national, pour que nous fassions un combat. Nous avons demandé toute organisation de base, toute organisation qui n'est pas quoi, qui n'est pas d'accord pour Bill Clinton lâcher tout le terrain de pays, tout le monde qui n'est pas d'accord pour Jodia, pour Blanc Seyo, Kapay, Peba Isien, dicté, n'a pas demandé pour que nous foncions. Nous pas oublier, puis c'est qui m'est pas gagné. 20 juillet, rendez-vous cassé, qu'à froid ou pas. N'attend tout le monde contrat Ariel fini. Transition par contre renouvelée. Ariel fait deux ans. Ariel fait deux ans à kidnapper le monde en tant que pays. Mon a mouru. N'a dit journaliste qui est là. Félicitations. N'a continué avec la bataille là. Nous-mêmes qui te fait pour 29 mars là. Nous t'entendons, nous c'est monde qui pas besoin de 25 000 gouttes dans l'équipe criminelle qui a dirigé le pays. N'a pas qu'il 20 mars, 20 juillet, n'a pas la rue pour que nous disions Ariel, contre fini. Et n'a pas demandé toute organisation pour.
pour que aider nous pour nous préparer pour débrouiller ça à café 20 juillet 2023. Merci. Responsable mouvement 29 mars là, Réginal Dumé fait qu'on est gouvernement de facto Ariel là, pas de compétences ni capacité pour mener bac pays là. C'est un gouvernement qui échoue dans mission là, d'après militants politiques là, qui casse rendez-vous ensemble avec population, jeudi 20 juillet sous béton, pour aller devant résidence officielle premier ministre là, en tant que Réginal Dumé, qui était dans micro tac 509. Si nous faisons référence avec l'article 149 là, on dit c'est 90 jours, un monde, après soit président mouri ou bien fou, ou bien quelconque m'a connu ça, les gens pour réaliser l'élection dans 90 jours. Je dis à Jean Camarade, la sortie là, transition qui fait là avec Ariel, avec complicité avec toute une série de groupes qui étaient dans la politique là, avec ambassade France, Canada, les États-Unis, corps gouvernement général, Ariel fait 2 ans dans tête pouvoir. 2 ans, moun va émettre d'elle. Jean yo mande mette moun yo yo meton on pa konnen ki sa liye a handicapé pou di pa mande lèm di lèm pale de non n'ap di individu koutou individu parce que pou moun yo pa di pou lè on pale de handicapé pou pa passer son l'autre bagaille yo meton individu pou di pa mande pe pa ici pa mande de Ariel gen 2 ans nan tête pouvoir. Ariel simplement kembe des mots dans la bouche, des paroles avec des gens. C'est élection, après ça, il y a sécurité, après ça, il y a remaniement ministériel. Tout ça, je vais faire là, après tout. Eh bien, 2 ans passés, nous, avons Ariel Henry, je dis, il a essayé de faire manœuvre, faire complot, pour venir faire un autre 2 ans encore, qui c'est une autre transition. Qui ça peut pas ici nous-mêmes nous dit? Nous voyons un message pour nous parler avec international là. Pour nous dire international là, souvler de Haïti, c'est pas dans l'hypocrisie. Premier bagaille pour faire, c'est pas supporter Ariel Henry dans tête pouvoir. Parce que peuple haïtien, il prend la rue, il prend la radio, dans tout côté, il n'y a pas besoin d'Ariel Henry dans tête pouvoir. Il y a 2 ans, contrat fini, mission fini. Nati avec OEA, l'ONU, le groupe en général. Souvle pays a au moins il y a élection là-dedans. Souvle pays a un consensus qui fait dans pays a qui largement large avec toute force vive nation et nationale qui est dans pays a. Faut Ariel Henry pas là parce que pas de compétence, pas de capacité et pas de volonté pour Ariel Henry là pouvoir ensemble avec acolyte Lio qui là. Je dis à ou joine ambassade de France, Canada, États-Unis, qui parle des élections, qui parle des sanctions, qui fait tout ça, mais oublier si les pays ont des convictions. Et les pays ont des convictions de un monde, ni tout le Pablo, ou bien tout, c'est lui pour être là, c'est lui pour aider. Mais je dis à l'Ikopé, il dit, Ariel Henry, il faut remettre le pouvoir parce qu'il y a 2 ans. Ça a gagné comme mission. Il n'a pas fait une. Élection, 0. Sécurité, 0. Éducation, 0. Santé, 0. Je dis à Mbakwe, nous allons continuer à mettre 0 dans le cadre du pays d'Haïti encore avec un incompétent. Dans ce sens, ça, n'a pas dit, c'est pour toute raison ça. Peuple haïtien. Il renouvelle sa vie comme conviction. Il dit, après 2 ans de tourment, après 24 mois de misère dans nous, kidnapping et sécurité, grand coup de chômage, je dis à ne pas tomber Ariel Henry sous pouvoir. Et peuple ici envoie un message tout. Les syndicalistes pour dire, les Gaza t'ont monté, c'est eux-mêmes qui te prennent radio pour te monter Gaza avec Ariel Henry. C'est eux qui ont fait complot avec toute équipe gouvernementale là pour te monter Gaza. Je dis à Baril Gaza, ils vendent $60 américains qui veut dire qu'il y a 8 gallons gaz là-dedans. Gallons gaz là-dedans, nous allons parler de gallons gaz qui est 5 gallons. 5 gallons qui veut dire Baril là, il y a 8 gallons là-dedans qui vendent pour $60. Qui veut dire automatiquement, obligatoirement, Gaza supposé descendre parce que loi
qui gagne sur question. Gaz là, il dit, les gaz là montent sur l'international, là, qui monte, mais l'air descend, tout faut le descendre. Je dis, il n'y a pas ici, pas qu'à payer. Regardez ces gens. $114, mais 570 gouttes toujours. Non, c'est ça. Nous disons, peuple haïtien, jour 20 juillet, 20 juillet, qu'a fait Ariel Henry 2 ans depuis mission finie, qu'a fait 2 ans depuis contrat fini, hein? Nous n'avons pas l'autre bagaille à faire, nous prenons rassembler dans le café à l'aéroport. Depuis à 10h du matin, pour nous marcher sur l'autoroute de Delma, pour nous aller au café Misso. Et là, nous parlons de café Misso, c'est tout le pays qui a un mouvement qui veut dire. A des organisations qui sont dans Pétionville, qui sont dans Jalousie, tout côté, qui doit aller reposer dans Kafou Misso. A des organisations qui sont tout l'autre côté, Cité Soleil, Kafou fait tout l'autre côté, qui vient reposer dans Kafou Aéroport. Qui veut dire, son face au peuple haïtien, pour aller camper avec pancarte dans main, pour parler, pour dire, Ariel Henry, contre fini, et que je dis, nous besoin pays pour nous mettre l'autre monde pour faire une transition de rupture pour nous retirer pays dans ça et puis pour nous dire à Ariel Henry au revoir Ariel, au revoir Ariel Henry. Josué Estéphile, yon dirigeant mouvement politique 29 mars, qui critiquait une série de politiciens traditionnels qui prend médaille d'or dans si un accord à gouvernant en place là sous prétexte Ariel Henry a fait remaniement militant politique là, mandé population haïtienne là, pour poursuivre même exemple 1987 là, pour déchouquer régime PHTK 3e version qui n'en tête pays là. C'est pour dire population. Nous faisons 5 ans à prendre balle. Nous faisons 5 ans à prendre prison. Nous faisons 5 ans dans pile dans nous qui perdons bien nous qui estropiés. C'est pour nous faire une transition de rupture. Et après la mort Jovenel, nous pas arriver à jouer une transition de rupture ça. Je dis à nous un gouvernement intérimé. Comment l'intérimé? Je dis à nous une transition parce que c'est Jovenel, malgré le mandat défini, qui est nommé Ariel comme premier ministre. Ariel a signé un contrat pour après 120 jours pour faire élection dans le pays. Ariel va faire élection. Ambassade des États-Unis, le Canada, la France, fait signer un contrat pour 2 ans. Et je dis à nous, venons Ariel, contrôle fini. Je dis à nous, même dans le mouvement 29 mars, nous venons dire population. Depuis ce Jovenel, Nadou font seul pote bourré pour finir tout le bagaille. Je dis à pas de faire pote bourré, nous venons faire le spour. Le fait pote bourré sur vous, le bon kidnapping. Yo boule kayou, yo faut pas qu'avoir petit sous l'école, yo faut grand goût, yo casse business sous, yo faut marron, je dis à nous, venons population. Fais même pour te bourrer, te fais 4 et 6 là pour le déchouquer qui fait acheter 4 et 6 là. Et ma petite population, 1986, nous quittons tout gros Tomakoudjo. Nous quittons tout gros monde qui était gros zélé dans le pouvoir du Valéa, sauvé à tout l'argent pays. Fois ça, pendant la fête pour te bourrer, même je ne fais brigade vigilance pour mon exam, pas venir tuer nous, faire brigade vigilance pour nous suivre toutes les capcours à sac l'argent, à machine l'argent, pour te bourrer sous yo, campé yo, fois ça, comme la fête pour ça du pays. Maintenant, nous voulons parler à politiciens traditionnels. Nous n'avons pas de problème avec nous, monsieur. D'après l'information que nous avons, dans le week-end, nous avons fait un toque André Michel, Majori Michel, mon pouvoir. Je dis qu'on a qui ça au Québec nous comme ça. Ariel dit chaque accord qu'il a signé avec nous, comment on fait pour lui signer un accord, c'est parce qu'elle toujours mettait à guérir maniement ministériel. Ça c'est comme son zoo, l'image pour paquet. Si j'ai fois ça, pas de troisième accord. Gen regroupement national tête calée ak allié propose gouvernement pour mettre campé yon bureau pour encadrer et puis assister jeunes universités ak professionnels dans pays d'Haïti. Jean Donaïs Charles des dirigeants yo kwè c'est une nécessité pour l'état créer bureau ça cap empêcher jeunes yo tomber dans délinquance juvénile à commettre zak malhonnête dans société a. Entendez Jean-Charles dans micro tak 509. Campé yon bureau qui est le bureau national de facilitation et intégration de la jeunesse. Mais nous soumettre l'état tout trois noms pour bureau ça.
Nous disons c'est Bureau national de facilitation et intégration de la jeunesse. Nous disons c'est direction de facilitation et intégration de la jeunesse. Nous disons troisièmement c'est Conseil national de facilitation et intégration de la jeunesse. Qui ça l'abri là-dedans? L'abri là-dedans depuis on jeune dans l'université, depuis la troisième année, faut le commencer penser avec mémoire. Et bien mémoire ça, c'est là-dedans l'État a prêté 250 000 gouttes pour le finaliser et pour gérer. Si et li pa refè pou kòl, li gen nan dan université a 10 jeunes université pareil, y a groupé yo ensemble, les allo kon 250 000 goud par et 10 ou combien li bay. Nou di a fè bagay l'état prete moun 25 000 goud, sa y bay pou bwè kafe, pou voye bay sa jete, nou di se pou prete jeune garçon jeune fille moyen pou y al fè business an dan peyi a. D'ayè nou jwenn l'état prete on moun 3 milliards de goud pou 100 ans. La prêtons l'autre 300 combien millions de gouttes pour 80 ans et pourtant jeune garçon jeune fille la prêtons 10 gouttes 15 gouttes pour 80 ans. Et ben nous dit ça c'est vrai c'est tard pour que ça finisse dans le pays. Bien quelques jeunes professionnels qui pas dans l'université mais qui sont des génies et ben travail produit dans la société a il est appréciable nous dit faut que l'État et accompagner mon ça. Par exemple en Haïti les mon en fait des autres d'école l'État va le faire sans ligne, et bien à l'étranger, son petit machine, ses poupées, ses quelques petits téléphones, il va le faire. Les aïe encourager, tout le monde, non, lui-même, lui produit. Et même quand on nous dit, jeune garçon, jeune fille, si il y a 10 qui mettent ensemble, il y a capable des entrepreneurs qu'on y a là. Il y a capable de faire gros méga projet pour la caille. C'est la différence, nous dit, si nous n'avons pas une section communale, non une commune ou un département, soumettre même projet ça, soit une organisation quelconque, nous dit l'État a fait tout projet ça au fond seul pour jeunes garçons et jeunes filles mettre tête ensemble pour aller exécuter ça. Il te dit, il a fait ensemble ça projet à tourner, il y a un projet commun. Eh bien, là, nous finissons dans quatre gros méga projets, ça nous dit, jeunes garçons pas le faire. Les ça, on n'a pas besoin de laisser nous-mêmes. On jeune garçon, pas besoin de jouer domino, jouer 4 et 3 à 7 pour de l'eau. Les ça, jeunes dans ses pensées, la pensée, la produit. Par exemple, là, l'école normale a produit en pile, en pile. Étudiants, et bien, les gens mettent tête ensemble pour y aller faire l'école dans ce qui se trouve dans la caillou, pour y aller faire, d'ailleurs, on est à 20 nègres mettent ensemble, professeurs mettent ensemble, ils vont faire l'école. L'école a déjà tout fait. Parce que c'est dans l'école normale, là, il y a un professeur mathématiques, physique, chimie, là, qui et bien, les gens, philosophie, les gens, l'école, là, l'État va capable de répondre. Si tu as gagné, on veut mécaniser, qui dit, on veut faire un garage professionnel, bah, raison pour l'État, pas accompagner, on va faire comme ça. Si on est gardé, il va le faire boulanger. Bon la kali, si Dieu beauté et la vie, l'État a des moyens pour lui aider projet ça. Et nous dit dans projet ça pas de favoritisme là-dedans. Pas bien monde pas. Nous dit celle ça jeune n'a besoin au laisser ministre affaires sociales qui parle ballon papier. Depuis c'est étudiant n'a pas besoin papier, c'est université côté lié à qui parle en lettre. Lettre ça là pas annexé là avec projet mémoire ou bien quelconque ça gagne pour le porter l'ambio de et des facilitations. En plus, nous disons que nous avons un bon bureau d'assistance légale pour jeunes garçons et jeunes filles qui sont traumatisés. Dans le même bureau, nous avons fait réinsertion. Par exemple, les gens qui ont fait traiter, les gens qui ont fait quelconque, ils ont fait un bureau, les gens qui ont fait une réinsertion, ils ont fait des matchs pour les venir. Et moyens, formation, si les gens ont dit qu'ils ont fait un business pour le bureau, aider et assister tout pour être capable. Et avancé. Coordonnateur général, regroupement national, tête calé et alia, dressé yon bilan négatif de l'année gouvernement Ariel Henry qui pa bay résultat. Nan sa, Jean-Charles renouvelé demande li que li te fait ensemble avec chef gouvernement pour le remanier gouvernement li kwè li pa trop tard pour chef gouvernement ressaisir. Entendez-le nan micro tac 509. Gouvernement pa méprisé seulement dans tes cas, li méprisé peuple haïtien. Li méprisé secteur politique, li méprisé tout le monde qui est allé dans le forum qui était organisé Caribea, li banalisé demande population pour retirer et cabinet ministériel qui là. Nous disons c'est pour le payer tout directeur général qui vient là, pour le balayer tout agent intérimaire parce qu'il n'y a pas petit rien. Nous venons jusqu'à présent, premier ministre là, il a fait le monter des ans. Je connais ça, son complot qui fait souper ici. Chaque premier ministre voulait faire un bagage, eh bien, il aurait le jamais.
Ils ont le Trinidad, ils ont la France. On est après ça même tout, à jouer avec le 11 septembre, pour faire le temps passer. Nèg ta do sorti retiré depuis mois pour l'année passée. On a nèg ça là nan figi moun là, il y a parlé comme ministre d'éducation nationale, il y a parlé comme ministre affaires sociales, il y a parlé comme ministre agriculture et environnement. D'ailleurs ou joine nan train pied, nous pas de ça fait, mais malgré moun ça fait quand même. Nèg yo a manger cabinet ministériel ça. Gouvernement ça là a manger 21 milliards goud. Peuple haïtien comme aide yo di yo ba peuple haïtien tout laisse ça moi même pense peuple ta prêt à lever campé déjà moi pour faire comme Renate Kali même li dans projet de facilitation intégration de la jeunesse côté l'immigration journée jodi a et ben dans jour k'ap vinn la yo Renate ka pral prendre la rue a avec toute organisation li gen yo pour forcer premier ministre Ariel Henry. D'ailleurs nous dit premier ministre Ariel Henry projet ça nous soumettre avec nous pas soumettre li ba gouvernement ba cabinet ministre. Parce que nous même pas reconnaître un monde qui n'a accord 11 septembre ça ne pas là-dedans ni accord 21 décembre dans nous dit nous pas là-dedans mais comme premier ministre Ariel Dou dit quitter nèg ça ou fait le passer comme inaperçu un gouvernement inactif incapable incompétent par ya c'est lui même qui a accepté nèg ça ou fait arriver dans dimension ça. Donc selon moi pense et PM là il est de bonne foi nous pas l'homme de bonne foi c'est le bon bagage pour le faire. Li fait, m'baka dou si de bon, ga il va rien. Seul ça nous PM nan pou al fè, c'est seulement ou arrêté que pou le prend pou le dire dans tes cas. Eh bien, bio de face, bio national de facilitation intégration de la jeunesse, seul ça l'a dit li fait. Après ça, m'ba pou nou ka di PM nan li ni ki bon pont ni on route, nou baka di gouvernement bay courant ni électricité, nou baka di la vie haïtien changé, au contraire pays a vinn pi mal sou kont li kapye. Li vin pi mal sou compte de Michel, li vin pi mal sou compte Major Michel Edmond Sibis Bozil entre parenthèses nous font flèche tout sous PM nan tout, on pa ka dousi li pa pi mal là, mais bon bagay li ka fè. N'a pas tant non bagay nan mel jusqu'à présent qui pour améliorer condition la vie peuple haïtien. Dès que les élections la fait, nous t'ai toujours dit ça dans remaniement cabinet ministériel là. A fait conseil électoral là de la mettre nous dit PM nan. Pas dans conseil électoral avant. Nous disons remaniement cabinet ministériel avant, parce que c'est ministre intérieur avec une justice, avec gouvernement qui pourra le choisir, recommandation, membre qui pourra le former, conseil électoral là. C'est même membre qui pourra le faire référendum et c'est au même tout qui pourra lancer élection dans tout le pays. M'a président Louis Michel qui pourra lancer élection, m'a président Major Michel et Edmond Sibis Bozil, Tolbert Alexis, Rosemila, m'a pas yo qui va lancer élection pour PHTK aller pour Renate aller pour vrai moun la voilà m'a pas la pas la bagaille de Michel a fait m'a pas pas la bagaille ça mais si PM n'a pas de raison un an après s'il d'abord peuple là on remaniement cabinet ministériel laisse ça la mettez là dans le bureau de facilitation et intégration de la jeunesse là là dans les adam du PM nan vrai la travail mais pour le moment qu'on y a là et zéro ça on pas annoncer moins ça ou même plus infini nous pas dit d'ailleurs même ministre pas dire va pas rien ministre constater va pas rien d'ailleurs c'est premier ministre Ariel qui kembe yo si pas premier ministre Ariel yo te voir aller non grand pile ministre fatigué parce que yo gen famille yo gen zami yo constater yo venir jouer là on pas pas dire jouer. Parce que moun ki ministre ou c'est moun ki mete yo pou pote sa kòb ba yo. Alors heureusement pour Adèle, on est quitté dans Caraïbes, accepté Aldomi de Vacaban et Edmond Sibis Bozil pou pote l'argent pou. Rikapé on est qui sénateur on y a, c'est à gauche face la fait devant de Michel, devant Major Michel, malgré ça yo dit li c'est ministre et planification. Gon ministre agriculture là, ça a perdu. Li pa existé. D'ailleurs, madame territoire perdu ya. Son moun qui sorti dans Mondana, c'est moun Magali Koumoudeni. D'ailleurs, il y a ministre justice dans Mel, il y a ministre équilibre et communication dans Mel. C'est ça que nous dit PM Ariel Henry. Faire remaniement avant, après ça, la négocier à moun nan yo. Parce que tout le monde a eu la moun dans le gouvernement. Mais qu'on va négocier à moun qui dans le gouvernement déjà. Renate a dit c'est Charabia, le ministre Ariel a fait avec cabinet ministériel. D'ailleurs, nous ballons d'elle. Nous ballons d'elle. Nous disons si, bon 25 juillet,
Premier ministre n'a pas fait remaniement. À la pays, gade volé, papa, c'est pays d'Haïti. À la côté, moun yo ka perdi temps, papa, c'est dans pays ici là. Absence autorité, yo ge gros conséquences sous la vie habitant, ka vive dans le département la Tibonite. Moun nan boukti rivière la Tibonite, yo pa konne ki se pou yo adresse, pou yo soti en bazak bandi, grand griffe sa vie yo. Responsable ministère éducation nationale, département la Tibonite, la Didier Pierre, mande pour toute communauté dans le département, pour yo mette tête collée pour faciliter examen officiel là, capable dérouler sans tête chargée. Parallèlement, bandi kokorat sans race dans la Kwaperis kidnappé plus passer 100 moun sorti fin mois juin pour arriver première semaine mois juillet là. Lundi 10 juillet 2023, bien bonnet dans matin, yo kidnappé plus passer 20 moun. Parmi moun sa yo 8 employés compagnie de l'eau Blue Event. Désir Venesse depuis la Tibonite abdi nous plus sous dossier si là. Sans la police ak autorité judiciaire ak ministère l'anti-rivière la Tibonite à Clienkou permet situation habitant yo à vin détériorer puis plus presque chaque jour moun k'ap vive nan Tibonite la Tibonite pa konn ki sen pou yo rele à cause exaction yo pa suspend sibi en bas men bandi gran gris ak bandi palmisio ki pa suspend braqué à catégoriser ensemble moun k'ap vive nan ville la femme actifi pa épanier en bas bandi yo yo violé les ouvlé à clair hôpitaux prend yo descend nan base yo famille yo pa konn ki sen pou yo rele face avec situation ça l'école la fonctionner dans Tirivière la Tibonite rivé dans moment pour examen fin d'étudio responsable dans éducation à travers département mandé à population et société civile là et même bandi qui gen zamyo pour yo faire meilleur culpa pour permettre Simonio clôturer avec fin d'étude à travers commune Tirivière la Tibonite à commune Lyankou pour ça yo mandé accélérer résistance yo pour collaborer avec inspecteur et distributeur examen yo chaque fois que ouais machine yo rivé dans espace yo dans région Balatibonite là sur route nationale numéro 1 dans niveau Kafoupey cellule résistance à coalition dans tête collée à population a fait l'autre stratégie pour récupérer ensemble des zones qui étaient en bas main bandi grand griffio depuis plus passé 5 années malgré go annonce qui était faite pour te gagner laisser frapper entre des groupes yo. En y est pas arrivé fait, c'est travail population te promettre qu'il t'a pas le fait, il fait travail yo dans toute quiétude, sans paix, sans crainte, travail yo arrivé réalisé. Ça pas empêché bandi kokorat sans race dans la croix périssio a prend plus confiance pendant grand griffe a diminué dans action qui a fait dans région Balatibonite là à cause cellule résistance à coalition kokorat sans race dans retrait sud cité indépendance là gonaïve pas suspend kidnapper ak détourner camion marchandise cap traverser dans niveau la croix périss pour fin mois de juin, pour arriver mois de juillet, pour pipiti, sans moun déjà kidnappé, pas bandi kokorat sans ratio. Matin lundi 10 juillet 2023, bandi kokorat sans ratio kidnappé, plus passé 20 moun, parmi yo 8 la dan yo, c'est contrôleur ak chauffeur qui fait partie yon compagnie qui vend service de l'autre été dans département la Tibonite, précisément dans ville Saint-Marc, compagnie en relais Blue Event. Bandi yo détourné des camions qui t'apprêtent à faire livraison marchandises dans ville Gonaïve avec 8 moun qui étaient aboli. Situation ça a été la cause gros panique dans région Balatibonite là machine pas de ca monter pas de ca descendre pour matin lundi a situation ça permet que citoyens yo pas suspendre lever voyou pour demander autorité qui puis replacer yo pour prendre disposition qui ca permettre la vie retourner dans département la Tibonite qui abandonné depuis un bon bout de temps question la police presque pas existé à travers département parce que l'audio pas jamais exécuté ces populations cap chercher défendre tête yo à travers barricade qui ont érigé à travers plusieurs tronçons route quelle c'est route nationale ou route secondaire yo population en fait quoi yo pas capable passer tout temps yo dans situation difficile si là désir Venesse Tirivière la Tibonite City Crétin Pierrot TAC 509 n'a monté à Kaye frères et sœurs bien-aimés gain président conseil municipal à Kaye Jean Edler Gilles annoncé journée lundi 10 juillet n'a un petit temps travail construction sur commissariat Domarot là pour al démarrer ces phénomènes pays loc ak insécurité a qui bloqué chantier d'après numéro Evilla qui fait qu'on est poste police ça pour aider force l'audio dans bataille a mener contre insécurité dans zone Pascal Fleuristil abdi nous plus sous dossier
Travail construction sous commissariat Domarotla qui était bloqué depuis plusieurs mois à cause situation pays a tant que pays loc ak insécurité pral redémarrer nan jour k ap vini yo selon déclaration président commission municipale commune AKEA Jean Edner Gil agent exécutif la fait connait travail construction sous commissariat ça pral aider nan bataille zak dap piyan bandi exam qu'on a fait nan zone si la temps en temps magistrat fait connait travail ça yo c'est mairie AKEA kap plis financier. Cependant, li fè konnen gen kèk patikilye nan commune nan ki ofri yo sipò yo ansanm ak l'état central. Jiska prezan, yo poko jwenn anyen. Yon lòt bò, magistrat fè konnen depi avan lansman proje a, direksyon jeneral la polis te ba yo garanti la voye polisye nan sou komisariya sa pou kombat bandi yo. Toutfwa, magistrat pa anmezi pou fè konnen ki le travay sa yo ap fini pase pa gen gwo mwayen, men li promet kominote acheloaz la ak tout moun ki kon frekante route nasyonal nimeyo 1 garanti ke proje sa ap rive nan bout li. Selon deklarasyon magistrat vil AKEA, proje konstruksyon sou komisariya Domarotla ap koute $74,000 Ameriken. Lansman te fèt 20 juin 2022 devan divers otorite nan komine AKEA. Depi arrondisman AKEA, Pascal Fleuristil, Tak 509. Zak insécurité pas suspend mettre de l'eau dans jè pèp ayisyen. Yon jeune femme 30 l'année perdi Maril bandi aksam nan Onaville entre la Kaili et puis tire Maril en présence li. Actuellement, dame sa ap monte le ciel pado ak de ti moun soubral pou l'okipe. Alors que autorité concerné yo kwaze bra yo ap gade population kap victime sans secou. Yon reportage avec Adiani Oximable. Avant la passer l'on porte sous côté pour aller pour servir l'on bal boke et puis moi-même ni point ti moun yo me courir même assister m'ba fin rete assister que j'en li moun. Depuis un bon bout de temps, zak insécurité dans pays a continue à mettre de l'eau dans jepe haïtien. Yon situation, autorité qui la pour ça yo t'a semblé pour qu'on gain volonté pour river quoi pé ça. Naomi, c'est nou yon jeune dame qui victime en bas phénomène insécurité a côté bandi a gozam fan fo entre la Kalina na ville semaine passée a touye Maril et puis la gueule nan la ri ak de timoun soubral passé dormi nan la pli ko timoun yo fin gâté m baka ba yo manje même rad m baka nou sou pleinement ki fè moi nan la ri avec timoun yo c'est la kay m te yo na ville vende et puis bandi envahi yo tuye papa timoun yo m ba gen côté pou m'aller ni commerce ni kon fè tout ça m te gen yo pran tout moun baka rentre ni kay yo yo pran kounya m baka rentre m obligé pran de timoun yo c'est bon la ri nan camionnette m ap dormi avec ou c'est mandé m ap mandé 5 gout pou manger action ça qui passé a la gagne go amène à bouger une femme 30 l'année a après elle fin vivre drame si là depuis elle fin mourir on me dit n'arrive au moment même pas les pas parler de l'eau pas de saute l'anger même des gon boule tant qu'on pas si c'est sang qui était gonflé en bas comme c'est monde qui d'habitude t'a fait de l'eau c'est moi qui t'ai voyager ce petit monde ça presque 15 jours là parce que premier les autant entrer à monter cour après ça me t'ai replié après ça la deuxième fois les autant entrer t'ai tué 7 monde là c'est papa on n'a pas depuis après bandi na Onaville fin entrer la Kaili touye Maril d'Evangel Naomi perdit tout bon sens li action sans pare ça gen gros conséquences sou li ak tout ti moun yo côté c'est bon prochain ka fè l vive ak de ti moun yo d'après ça la pè expliqué on a ti moun yo malade là même yo gen la fièvre moi même tout m pa à l'aise ti moun yo tête yo a fè ou mal retourner m pa m'ap dormi bolari ke ti moun yo ap dormi bolari tout même dra nou pa gen c'est souci m chaque côté n passé et puis m couché là m dormi avec ou ti moun yo c'est bon prochain ka fè on moun ge dwa chto manje la et puis yo chita m ge dwa chita la tout et puis y a gade et puis moun nan manje on bol ba yo bon et puis yo gen dwa sauve l'eau puis moi don moun on sang gout moun nan ba moi et puis m'achete de l'eau m ba nan sans ça Naomi pa adresser la autorité l'état yo parce que c'est yo qui la cause phénomène insécurité a nan pays a mais souhaiter plutôt yon bon samaritain aide sorti nan situation sa la vive depuis les bandi exam fin eten souf Maril nan Onaville moi ta besoin pour yo aide m pour yo payer un caï pour moi pour m ka nan position pour me dormir avec ti moun et puis si me dégage un petit commerce tout li t'a fait bien parce que me pas grand là même pas gain moun k'ap ban moi et me pas nan travail parce que ti moun yo petit là même n'a signalé pour nous dit chaque jour qui passe phénomène insécurité a pas suspend multiplier dans pays d'Haïti côté pièce moun pas épargné pourtant Premier ministre Ariel Henry qui c'est en même temps chef CSPN semblait pour qu'on gain volonté environ de l'année pour arriver mettre sécurité dans pays a Adiani Oximable Saint-Fleur Tak 509. Malere ak malereuse gen mizè pou yo pase ou nan peyi sa, an ba dirijan sa ou pe pa isye. Komise gouvernement Okay la, Maître Ronald Richemont,
Demande si information qui fait quoi citoyen américain Robert Brenton Nutter t'a subi mauvais traitement dans mail. Citoyen Robert qui t'a joué une arrestation mardi 4 juillet passé comme monde qui t'a fait incitation à la violence et gérance dans affaire l'état trouble l'ordre public selon chef paquet Okaila fait connait lycée un monde qui respectait droit monde en nous tendez eh bien commissaire Rich qui t'en a micro Jean Vanel Soliman depuis Okaï. Parce que nous mêmes de la juridiction de Okaï, nous là pour nous protéger le monde, pour nous protéger le droit de monde. Nous ne sommes pas là pour nous bafouer le droit de monde, passer le droit de monde en papier. Donc, au moment de l'arrestation de Robert Brenton par rapport à toute menace verbale de mort, l'État fait à des autorités en dans l'État, notamment de la ville de Okaï ou bien en un pays. Hein. Et incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Donc, nous avons procédé à l'arrestation. Jean la loi Mandel. Et nous avons gardé dans le commissariat au CAE. Maintenant, et tout de suite, après, nous tendons lui, suivant le règlement de loi pays. Donc, après ça, étant donné que les paquets ont fini de l'île, ont supposé voir l'île dans le dépôt, la prison civile de Kay, nous avons espadonné la prison civile, parce que nous connaissons, prison actuellement là, les surchargés, égorgés, saturés de prisonniers. Donc, nous faisons le nécessaire que nous mettions l'île dans le garde à vue 4 chemins. Le garde à vue 4 chemins est fraîchement rénové. Il y a des salles. Il y a un espace, une salle spacieuse, espace qui est très large. Donc, nous mettons là-dedans. Non seulement ça, nous achetons matelas, mettons disponibles pour Robert Brenton, qui fait des infractions en la juridiction. Donc, les affaires de mauvais traitement, parce que c'est un acte pour intimider les gens dans l'État, nous mettons la police qui travaille. Au contraire, il s'est bien gardé, il est bien gardé côté hier. Donc, nous mettons dans la prison, nous mettons dans l'espace, disons, on regarde la vue 4 chemins, et puis nous achetons un matelas pour lui, de façon à ce que pour le garder. Après, on a dit par là, puis la fin dit que, et il y a des mauvais vêtements, violation des droits humains, donc on va prendre côté de mais ça, son acte pour intimider nous pas intimider. Mais nous même travail pendant, n'a pas fait. Et Robert Brenton, donc voilà, ça est document de l'autorité pour lui là. Document ça est une base de données, État Floride, côté l'État vivre, à plus de 52 pages. Il constitue, parce que document pour lui, donc nous-mêmes, nous allons faire ça que nous devons faire avec le document ça. Parce que lui-même, son monde la justice et Florida t'a cherché déjà, son nègre retiré permis, il va avoir jamais la machine aux États-Unis. Ou des autres différents aux États-Unis, son nèg qui bail fourchette, son nèg qui en cavale qui entre sous terre pays d'Haïti. Donc moi c'est que on ka parler en pile Haïti son un état lié même à tout l'état. Donc Haïti son l'état même à tout l'état. N'a continuer faire travail pendant, on a respecté à la lettre ça la loi dit dans quatre dossiers ça parce que nous-mêmes nous sommes serviteurs de la loi, nous sommes esclaves de la loi, n'a respecté la loi. Donc article 57 de la Constitution dit clairement que les étrangers ne peuvent pas s'immiscer dans les activités politiques du pays. Et comme je dis là, voilà, c'est pile là. Et quand il a demandé de boire la fait menace, tout ça, c'est des documents qui sont imprimés et qui sont voix, tous les documents là pour que nous quittions le dossier là pour lui. Nous connaissons à qui est-ce qu'on a fait. Nous connaissons qui est-ce qui façon, nous-mêmes, nous avons fait bagarre, nous avons fait travail nous au regard de la loi, suivant ça, la loi dit. Donc, le dossier n'a pas avancé. Je dis à nous pour nous faire travailler sur le dossier ça, pour que, soit que nous déférer par devant les autorités qui le doivent pour que lui-même, yo engagé pour voir monsieur aller dans le pays, ou du moins, par des infractions qu'il commet dans le pays, nous voyons monsieur par devant le tribunal correctionnel pour qu'il a jugé.
pour juger conformément à. Toujours dans ça qui gagne à ouais ensemble avec cause justice, assise criminelle sans assistance juridique ont démarré lundi 10 juillet 2023 dans tribunal première instance au Kaela qui doit bout 28 juillet cap vini là. Cependant, des difficultés pour la justice juger quantité détenus yoté prévoit cause carence juge pour vin siéger dans audience d'après doyen à i tribunal première instance au Kaela maître Jocelyn Lucien li té tout profiter expliquer difficulté la confronter depuis l'elle nan poste ça côté li fait connaître ces crises sous crise l'a géré maître Jocelyn Lucien té encore parlé dans micro tac 509 moi même effectivement moi rentré ici depuis le 16 juin 2022 Moi, j'ai gagné un tribunal là comme doyen à un tribunal là. Depuis que je suis arrivé dans le tribunal là, c'est crise m'a géré. Comment c'est crise que m'a géré? J'ai gagné des juges qui étaient là, qui étaient juges de siège, qui viennent promu comme juge et juge d'instruction. J'ai eu un problème même que ça ne s'est pas réalisé. Comment? J'ai gagné un différent entre Baoua avec le commissaire du gouvernement. Côté Baoua, tu sorti une résolution qui t'a dit que tu pas reconnaître l'autorité commissaire gouvernement qui était paralysé tribunal là depuis les assez crise. Même prestation de serment juge, c'est moi-même qui t'ai fait office ministère public pour juge t'es capable de prêter serment. Après ça, vinn gagner délégué départemental là qui t'ai nommé comme délégué pour te prêter serment là toujours c'est même procédé à moi t'ai utilisé, moi t'ai toujours rempli fonction ministère public là. Pour être capable de siège pour les délégués arriver pour des armes. Donc, après plusieurs rencontres que moi-même personnellement, en tant que doyen, j'ai gagné avec le bâtonnier de l'ordre, maître Eval Sipis, ensemble avec le conseil LIA, nous sommes arrivés à joindre un dénouement avec la crise pour être capable de gagner audience. Audience en matière tant en matière civile qu'en matière pénale. De cela. Maintenant, je dis à nous voyons que c'est 10 juillet 2023 que lié. Depuis la semaine passée, nous avons conseillé une audience civile qui a démarré. Mais après rencontre avec le juge qui l'a eu, nous venons donc ensemble en accord avec le bâtonnier de l'ordre et le commissaire du gouvernement, M. Onal Richemont, nous entendons pour nous capables de gagner une session d'assises criminelles sans assistance de jury qui pour commencer. Nous commençons. Jeudi à qui c'est 10 juillet 2023 et nous l'état de prend fin le 28 juillet 2023 ça parce qu'on connaît que dernier vendredi dans le mois de juillet c'est vacances judiciaires qui vont commencer. Jeudi à effectivement nous gagnons une vingtaine de cas qui t'a dû passer dans ces sortes d'assises criminelles ça. Je dis à vous, nous démarrer avec un horaire côté nous avons 5 cas qui affichés. Chaque semaine, nous avons allongé l'horaire là. Horaire ça, nous mettons là, car ça a fait épuiser, au passé, que nous allons mettre l'autre horaire dehors pour nous traiter le cas dans la mesure du possible. Mais la seule chose, m'a signalé pour la presse en général, t'as doué plus d'activité tribunal là. Parce que on carence en juge en judiciaire actuellement là. C'est nous comme 5 juges et juges d'instruction qui gagnent dans le tribunal là, moins pour activité que moi-même moi gagner pour me faire à gauche à droite c'est moi-même, me vienne pas trop de temps pour moi aller dans le siège. C'est ça que fait matin hein, ou c'est chambre 1, chambre 2 qui a fonctionné, Maïssa Osmat dans chambre 1, Maïssa Claude Julien dans chambre 2, qu'on y a nous gain deux chambres qui a fonctionné dans cadre c'est sur l'assise criminelle sans assistance de jury ça qui commence jeudi lundi ça. N'a traversé dans notre despeya dans occasion journée nationale sensibilisation estiroforme lundi 10 juillet 2023 groupe local alternative dans 5 communes dans département nord-est dans cité Fort Liberté et bien Troudino Valier Caris ensemble avec Mobe Kochi déposé une plainte formelle dans paquet civil pour de paix contre tout monde cap importer commercialiser et utiliser produits esti ou fòm yo. C'est si petit commissaire Sem Jules Miss qui recevoir plainte ça.
Anol Philidor ensemble avec Francesca Jean, des citoyens qui prennent initiative ça a dit nous plus sous dossier si là nan micro correspondant nous Cheno Rosny depuis Nord-Est. Eh bien, commissaire gouvernement, nous venons côté là, jeudi à là, pour nous capables de déposer plainte contre M. X, Mme Y, telle entreprise, telle institution, hein, selon arrêté 10 juillet 2013, qui interdit production, importation, commercialisation avec utilisation tout produit qui fait avec styrofoam sous toute forme. Alors, jeudi à là, délégation 5 communes Sayo, nous venons pour nous déposer une plainte et plainte là, Nabdouli Kounyala. Monsieur le commissaire gouvernement, GAF vient côté aujourd'hui pour nous porter une plainte contre le monde nous dit avant. Yo. Depuis 10 juillet 2013, le gouvernement pays d'Haïti a pris un arrêté qui a publié dans le moniteur jour qui était jeudi 18 juillet 2013, là, numéro 131. Pour interdire mon acheter, faire commerce, distribuer, utiliser styrofoam. Et ce n'est pas pour sans raison, c'est parce que ouais, styrofoam, c'est une grosse menace pour santé et dignité moun. L'environnement, l'agriculture, la propre taille, l'économie et l'image pays. A. Ça veut dire c'est un gros problème. Eh bien, jodi a, tout le monde kawe ak géo. Commerce et styrofoam a continué dans le pays à pire. Moun, entreprise, institution, toujours continuer à utiliser dans tout racoin pays. Mais pas gen aucune action la justice entreprendre contre moun qui a fait zak sa yo. C'est parce que nous sensibles pour santé population qui a dégradé chaque jour ak bagay sa yo. Environnement nous cap de pas fini chaque jour pi plis. Image pays nous kap vin pi lèd chaque jour pi plis. Ekonomi nou an kap sibi konsekans importasyon prodwi sa. Nou ekriw pou mete aksyon piblik an mouvman kont akte sa yo ki pa respekte lòt la lwa bay kont bagay sa ki si danjere pou populasyon an ak peyi ya. Alors, komisèr gouvenman, nou an dan birou nan juridiksyon fò libeté pakè tribunal sivil la. C'est parce que nous, ouais, produit ça, on a dit là, yo sorti l'autre côté dans Dominicani, yo passé par la douane. Et moun kap utilize yo, c'est un paquet de gros entreprises kap utilize yo. Jean, mademoiselle là, sorti dit là, yo fait nous un pile temps dans le pays là. Question l'agriculture, nous-mêmes paysans, c'est goumen à goumen pour nous faire manger. Et chaque fois la pluie tombée, l'eau la pluie a porté. Pas arrêté et il fait inondation. Alors mais l'eau a gardé non, on a même chaque fois que la pluie tombe, ouais, c'est un petit moment de l'eau toujours monter. Alors nous demandons commissaire comme citoyen responsable dans pays là pour exercer pouvoir sa fonction bon pour faire respecter la loi contre produit ça qui a rentré dans pays là. Nous 5 communes ça yo nous chaque a déposé plainte là et plainte là nous déposer sous nom GAF groupe d'action francophone pour l'environnement. Ça veut dire n'a travaille en pile la question protection environnement. Gain question mouvement national citoyen pour climat alternatiba. Alors ça veut dire tout ça n'a fait c'est pour climat n'a fait li ou a regarder qu'on y a là comment chalet a tout monde dans pays là. N'a quitté département Nord-Est, mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a fait un coup de pied dans CARICOM. À partir de mois mars 2024, tout le monde qui vit dans le pays qui mob CARICOM, yo ap libre pour rentrer dans n'importe l'autre pays qui mob CARICOM sans visa sauf Haïti. Selon info yo fait connaître c'est Ariel Henry. Ministre haïtien qui m'a dit pour Haïti pas jouer un privilège ça. Bon, imagine nos frères et sœurs bien-aimés, nous pas gain autorisation n'importe sous territoire moun yo j'en ouvle. L'essentiel bon dit nous clair. C'est vrai que dirigeant nous yo c'est dirigeant qui sous qui volait, qui reste avec qui pas jamais prend responsabilité. Mais pour faire yo respecter, c'est eux même qui pour travail pour respecter ou respect pas avant na marché. Paul Jab, bon, Ariel trop petit pour
ta campé pour que li déclarer Haïti pas rentrer dans CARICOM. Même Jean dernièrement ou est que CARICOM dit yo pas accepter République Dominicaine à cause mauvais traitement haïtien ap sibi la kayli. Non. Et ça fait me dire li important pour que si que nous gen dirigeant yo te écrit CARICOM pour dire pas fourer yo nan bagay comme ça yo gen raison yo kembel mais pas prend Haïti comme passe-code. Pas prend Haïti comme pont. En tout cas frères et sœurs bien-aimés, j'ai que m'ta montré hier matin, premier ministre Santal Pate Pierre Trinidad et bien qu'on y a là à partir de 2024, regardez non, c'est seulement gagner passeport ou faire partie de CARICOM, OK, passer là, rentrer là mais sauf pour Haïti, camper loin parce que à cause phénomène insécurité. Ah la traka pour la avec Haïti papa. Pour cette information mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a fait place ensemble avec Sever. Bonjour Foucault, bonjour bonsoir tout le monde. Merci n'a pas continuer avec information yo. Yon camionnette qui t'a transporté passagers en direction Gonaïve Negaxam capopé dans la coopérisse des tunnels. Elle bandi yo qui ben captivité plusieurs passagers au même violé un adolescent de 17 l'année. Gang Kokowat Saras continue à détourner machine transport public dans niveau localité qui dénommé la Croix-Péris pour ensuite séquestrer passagers. Dimanche là, membre groupe armé sa yo détourné une camionnette qui assurait trajet Esther Gonaïve et séquestré passagers qui était trouvé dans machine si là. Boutros Aurelius, un joueur qui en fait contrat avec Baltimore Football Club CEMAC parmi victimes yo. Footballeur te sorti Léogane après te disputé sous couleur AGSL, yon tournoi vacances, Ligue Football Port-de-Paix réclamé libération. Yon footballeur qui a évolué en Haïti, pas même qu'à vivre décemment, Boutros ak famille, pas gen moyen pour payer rançon, ravisseur exigé d'après Ligue Football Port-de-Paix. Un adolescent 17 l'année qui lui-même t'est trouvé dans véhicule là qui détournait lui-même yo au moins 6 nan ravisseur yo violé avant yo libéré quand même j'avais l'autre passager côté proche yo te getan bay rançon pou yo. Pierre Richard Joseph, directeur régional Nord APN qui libéré 9 juillet passé après au fin de famille fin bay l'agent selon information yo proche li te obligé bay l'agent plusieurs tranches sans préciser montant total yo bay ravisseur yo. Pierre Richard Joseph te kidnappé samedi 17 juin 2023 Sénégal Gozam lo te kite kidnappé dans Torsel commune Tabar nan moment azaxi la yon moun ki tap conduit véhicule côté victime nan teye, li nèg exam te touye le sou place, gen yo te mande $1 million américain pour te capable libérer en directeur général APN nan nol. Li te kidnappé pourtant bon côté ancien président conseil électoral provisoire la ki li même te kidnappé 20 juin passé, li toujours nan main ravisseur yo côté famille appelé vivre yo pour demander libération. Ki association journaliste haïtien ak SOS journaliste qui dénoncé enlèvement suivi séquestration ancien président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon 20 juin 2023 dans commune Tabar. Dans notre de presse, association s'est réclamé libération immédiate ancien président KIPA. Plus passé 15 jours après, il est toujours dans mes ravisseurs qui réclament une grosse somme d'argent contre libération d'après AJH. On peut mettre au côté intervention Jacques Desrosiers qui c'est une responsable association journaliste haïtienne. Qui est l'association journaliste haïtien avec SOS journaliste, nous étions ensemble pour pousser un cri d'alarme, un cri de détresse, un réel en moué pour demander libération Pierre-Louis Opon qui est copropriétaire télépluriel, lui-même tout qui est ancien journaliste dans la télévision nationale d'Haïti, lui-même tout qui est en même temps qui est Marie-Lucie Baudouin qui est un journaliste si tout le monde connaît. Donc depuis environ 20 jours, il a enlevé Pierre-Louis Opon pendant qu'il a rencontré la CAI. Depuis l'EA, c'est négociation par an avec ravisseur qui m'a donné une quantité d'argent que famille n'a pas cabaye, l'argent que famille n'a pas pour compter. Nous lançons que d'Alam ça pour demander ravisseur pour libérer Pierre-Louis Opon sans condition. C'est parce que dans l'île, il y a une sécurité généralisée, il y a un peu depuis plusieurs années, et que kidnapping, gagné conflit entre les bandes armées, gagné un climat de sécurité généralisée qui gagne des conséquences sur tout le monde dans le pays. Ou nan peyi a et qui gagne conséquence tout sur la presse tout te compte que gagne Pierre-Louis Opon qui est kidnappé qui c'est copropriétaire télépluriel c'est pas premier monde qui subit
ça kidnapping dans secteur gain des journalistes qui étaient kidnappés gain même qui était pays après des kidnapping gain des journalistes qui étaient tentés assassinés qui quittaient pays à tout qui journalistes tout qui quittaient pays à qui parce que et après recevoir menace par rapport au travail qu'ils ont fait par rapport aux photos qu'ils ont fait etc. Donc son climat qui gain incidence sur toute société en général mais sous corporation sous journalistes qui permettent que les journalistes aujourd'hui pas qu'à faire travail libre parce que y a pas qu'à circuler bien donc les problèmes circulation dans le pays information en particulier l'information en particulier nous cas que c'est liberté de la presse qui menacée premièrement ravis sur la libération Pierre Louis Opon sans condition et deuxièmement pour demander à responsable état pour responsabilité dans créer bon genre climat capable de circuler libre tout le monde capable aller activité sans inquiétude selon information communiquée sous secrétaire sécurité intérieure américaine quelques 28 000 cubains bénéficient programme humanitaire là communément appelé programme Biden un chiffre inférieur avec nombre vénézuélien qui a joint approbation qui 51 000 avec haïtien environ 40 000 qui a approuvé mais qui supérieur avec nicaragouien yo qui c'est 23 000 d'après journal là yon moun ki dépose demande li capable traiter nan demain mais yon moun ki attend capable assurer que demande sa yo ap traité nan non gouvernement américain li précisé que toute demande ki sorti nan citoyen nan pays bénéficiaire yo programme sa y ap traité officiel américain précisé que chaque jour moitié demande traité yo pas ordre chronologique c'est-à-dire dans l'autre côté yo te soumet yo l'autre moitié a traité de façon aléatoire mais continuer dit avec zanmi yo quatre pays a pour yo et puis patient pour utiliser procédure légale qui puis bon lorsque au lieu arriver illégalement et nous n'essayons tout insister sur le fait que mon qui doit opter pour émigration légale dans pays États-Unis non pas voie illégale qui capable coûter expulsion dans pays ou bien emprisonnement fonctionnaire américain également mettait en garde contre escroquerie qu'il y a avec libération conditionnelle humanitaire qui soulignait que c'est une procédure totalement gratuite. Seulement billet d'avion ou gain pour acheter pour venir aux États-Unis. Si on l'autre monde faut payer pour capable participer dans programme là, c'est une fraude d'après Nounès Neto. Gen responsable organisation haïtien k'ap défendre droit moun yo Jean-Ronel Sistanis ki kwè Boakalia fait preuve li comme une solution insécurité depuis phénomène ça démarré dans quartier Canapé Vert force de frappe gang yo baissé kidnapping nan baissé an côté Jean-Ronel Sistanis phénomène Boakalé il faut dire que et j'aime sot dil comme moun k'ap fait promotion k'ap fait défense droit moun non kwè que la vie son bagay ki sacré et que et tout comportement qui t'a gain pour atteinte à vie moun c'est bagaille pour que nous t'a rapidement condamné et t'a mandé autorité qui placé pour prendre décision pour éviter que moun victime dans n'importe qui situation mais lorsque nous comprenons que et ça gain plus que 2 ans depuis que population li a souffre li non souffrance yo kidnappé le matin midi soir population pas qu'à déplacer vaquer à activité normalement moun qui saute dans grand sud moi même qui c'est moun sud-est c'est moun balance moi gen longtemps pas jan mal dans pays parce que me pas qu'à traverser Martissant et ces zones ça pour me passer pour m'atteindre ville Jacmel le temps pour me rentrer balance me pas capable moun qui saute dans et au Kay c'est même gens c'est pareil pour qui sont dans Nip dans Jérémy Miragouane etc. Moun qui sorti dans nord c'est même cas de figure là et Canaran bloqué ça fait un bon temps là et moun qui sorti dans grand nord t'es refusé Canaran ici passer par Mirbalè pour atteindre le nord passer par Bonne Cabrit et bien n'a connait que dans moment ça là yo pas permettre yo pour passer dans zone ça encore parce que bandi envahi pratiquement toute zone dans l'aire métropolitaine dan. Donc c'est à dire que et bandi prend contrôle pays ya et autorité qui la yo d'accord donc Boakalé a les vignon réponse qui exprimera le bol population dans le sens que lorsque non société côté moun qui placé qui pour prendre décision pas prendre décision eh ben moun yo météo dans situation de légitime défense y a défendre tête yo prend responsabilité yo prend courage yo à deux mains et non capable di Boakalé a bay résultat Delma qui était en centre kidnapping li clair que jodi a là et nous constater que gen yon
vraie diminution de cas de kidnapping yo dans la commune d'Elma. Donc même si dans la zone pleine là il y a un pile cas de kidnapping, mais pour commune d'Elma hein, qui était réputée zone qui était plus cas et yo te recensé plus cas de kidnapping, donc situation li améliorée. Tout ça c'est bien sûr résultat Bois-Caléen. Cependant, défenseur doit mon plaider en faveur structuration phénomène Bois-Caléen pour éviter dommages collatéraux. Jean-Ronel Sistanis reconnaît quelques monde qui a profité de Bois-Caléen pour régler affaires personnelles yo. Li mande société a encadré mouvement si l'an côté l'autre fois Jean-Ronel Sistanis. Non, quelque part d'accord avec collègue nous. J'ai deux gens qui a fait promotion de défense doit avec nous dans niveau cadre qui estimait que faut Bois-Caléen li structuré. Donc c'est-à-dire que son mouvement qui bail résultat et ces mouvements population hein? Donc autorité yo pas de vle faire yon bi pas de café rien population en responsabilité maintenant faut li organisé dans le sens que pour que des moun qui pa gen rien pour avec gang des moun qui c'est des citoyens paisibles et pour yo pas victime dans mouvance et Bois-Caléen. Parce que nous connaissons comment moun yo en Haïti, il y a des moun qui capable gen des problèmes personnels avec un moun et qui profite identifié ou comme moun qui gang et yon façon pour capable passer en bas et Bois-Caléen. Donc c'est pourquoi nous d'accord que c'est un mouvement qui méritait organisé, c'est un mouvement qui méritait défini et parce que le commencé bay résultat. Donc ça montrait que sinon Kembel s'il pas lagué eh bien n'm pas dit pour éradiquer mais cependant et n'a presque mettait fin à et situation gang que nous connaît et qui prend contrôle pays hein, kidnapping matin midi soir et femme et couti monde et femme a violé ti monde a violé etc. Donc il y a volé bien mon yo etc. y a touyé yo moi pensais que Bois-Caléen li gen raison d'être li et effectivement son mouvement pour nous un petit peu redéfini et pour nous organiser parce que et paysan nous senti que la police APC fait quelques petits mouvements oui mais non pas qu'à mettre trop confiance dans le sens que nous toujours dit la police là li politisé ouais je dis à nous gagner plusieurs polices non pas qu'une seule police au capable on patrouille qui gagne 5 policiers là dans lit. Eh bien, dans la patrouille, ça arrive à 5 comportements différents en fonction de qui attachement chaque gang de police a gagné, soit avec un boss qui est dans le secteur politique ou bien qui est dans le secteur mafieux. Donc, dans ce sens, on ne peut pas mettre trop confiance sur la police. Là. Lorsque on connaît politique là et li divisé li ouais on gagne en pile division en dans PH là PH là côté que et ou jeune gagne des moun qui a metté pour fig en bas pied direction général là soit au besoin pour ça et cetera. Donc son situation compliquée pas qu'à faire trop confiance même si quelque part nous senti dans semaine ça il faut le dire en même temps et gagne un petit contrôle plus ou moins dans la rue chaque côté passé au plus ou moins on patrouille qu'a fait checkpoint en façon pour capable et voyer des signaux et bay gang qu'a opéré pour mettre un petit et peur la caillou. Donc c'est comme ça nous comprenons situation Bois-Caléen li doit continuer il doit rester là et il doit être là parce que et Bois-Caléen capable finalement remplacer lorsque gagne un gouvernement légitime qui effectivement occupe espace pouvoir yo ouais lorsque nous ta capable gagne un parlement qui capable et commencer et avec un exécutif qui légitime qui capable prendre des véritables décisions ouais lorsque un policier on la police qui moins politisé le ça n'a qu'à remplacer Bois-Caléen par institution étatique yo. Mais pour l'instant penser Bois-Caléen les guérison d'être li faut qu'il continue faire chemin le coordonnateur adjoint collecté haïtien Evans Jean qui croit social une assistance internationale qui ca éliminer insécurité dans pays d'Haïti dirigeant politique l'a rappelé la police pas gain matériel et effectif pour combattre gang yo sans compte à une quantité policier qui marche aussi sur gang yo c'est une urgence pour pays amis d'Haïti yo vin aider pays en sorti dans calamité ça en côté Vince Jean pour plus détails. Je dis, on ne va pas parler des quartiers populaires seulement, on ne va pas parler des cités soleil de Belé. Mais niveau pèlerin, d'ailleurs, nous avons un président mouri, la Kaili, niveau
Pétionville, le niveau et toutes gros zones, les zones résidentielles, yo vinier là gangsterisé à le niveau insécurité à, c'est tout à fait normal pour que nous joignions un support d'international là pour venir en support avec la police hein, pour venir nous aider nous résoudre situation. Maintenant, est-ce que la police a été capable de résoudre problème là pour contre lui? N'a dit non, il pas capable de résoudre lui, oui, il était capable de résoudre lui. Non, il n'est pas capable de résoudre parce que dans la police là, il y a des nègres qui estiment ça touche à pas normal, yo ali avec un gang pour bal l'information. Oui, il est capable de résoudre lui, l'autre a fait un vetting général ou t'a trié ça qui bon dans la police là et ba au moyen, yo t'a résoudre lui parce que nous sommes là dans 2-3 jours. Il y a 2-3 grimes qui déterminés et yo campé sous route là dans Matissan, nous ouais peuple là commencé senti bon bagay qui vle fait bon volonté qui manifestait mais même je tout soit prêt par rapport avec sous route canarin gidene qui utiliser char pour faire business pour faire taxi. Est-ce que kouna ou capable mener une opération dans la police? Nous te wel nan boy là gen on est qui là pour en charger pour la prendre ministre pour boy li faire autre cocher. C'est des CPJ qui te lagué, qui te lagué et mandat de avis de recherche. Bon, on connaît comme ça depuis qu'il est là bail, monsieur vite l'homme information. Andel, on prend des moun qui en de la police qui dans état major la police qui détourner matériel la police parce que gagne coup de sécurité. Quel type d'opération ou pral mener avec ou la police côté que gang yo gagne argent par Andel. Donc go urgence totale pour que nous joignions un support moun qui dit ses amis nous. Nous croyons que le moment arrivé pour que l'international l'a dit, ça n'est assez. Dans la situation, le peuple haïtien est là. Dans le trou, ça nous descend, nous descendons nous là. Il y a même encore qui est oligarque. Il y a même encore qui est bail moyen avec une série de saletés à l'en parlement qui t'a distribué les armes. Il y a même encore qui est un groupe net par eux, la bourgeoisie par eux, qui prend votre mère pour eux, qui prend commerce pays, qui prend tout intérêt pays pour eux. Regardez comment là, nous avons un ballon de bouteille, qui prend un paquet de jeunes gars sur le bail armes pour protéger bouteille à vous. Heureusement, Canada, fougez ça avec nous, quoi que la justice haïtienne, pour faire des gestes à tout net, tout en sanctionné. Et pays à l'école la pas cabral ouvrir là encore si nous pas gon support aide international là au niveau des militaires. Alternative socialiste vous j'étais bien loin causé élargir au conseil transition avec conseil présidentiel qu'a parlé Jean Enol Buto quoi tout aucune élection pas possible avec Ariel Henry sous pouvoir. Objectif gouvernement ça c'est renouveler pouvoir ça avec l'autre forme PHTK en côté Jean Enol Buto. La politique ce n'est pas la science du possible. C'est pas l'art du possible, pardon, c'est la science de la création du possible. De voir, c'est pas garder qui ça possible. De voir, c'est garder qui ça capable, qui ça me rend possible. Moi pas penser que et ceci c'est pas une simple question morale, ni politique. C'est peut-être ça d'aller me dire que crise là, il pas commencé avec le Jovenel. Jovenel pas jamais une autorité pour te choisir son successeur. Pas gain ça. Dans situation institutionnelle nous te hier, pas gain aucun moyen pour un premier ministre vin gagner tête dans tête exécutif là. Donc pour moi tout citoyen et c'est une dans responsabilité Montana. Tout citoyen, nous tout qui l'a tout, nous faites pour nous gommer, pour nous comprendre que si il y a une possibilité de transition qui est capable de défendre les intérêts démocratiques Haïti, les intérêts nationaux dans leur profondeur, il n'est pas foutu passer par Ariel. Donc, nous ne sommes pas capables de passer ni un élargissement de HCT, tout, donc avec un Ariel qui demeurait tout puissant. Il n'est pas capable de passer ni non plus par un conseil présidentiel. Et il faut que nous gonflions pour être nous. Pour nous voir comment nous sommes capables de doter le pays ya, d'autorité crédible, légitime, mais qui sont capables de battre une transition. Puisque, écoutez, en réalité, deux fois ministre PHTK, comment tu as arrivé à nos possibilités d'élection honnête, crédible et démocratique avec justement le monde dont sa mission, c'est renouveler le pouvoir PHTK. Parce que comment tu tout pas vrai, et l'international, il y a un empêtré. Parce que l'international besoin créer faire un PHTK light baron sou famille avec mot light là l'autre on baie light ou comprendre bordoise light on bière light c'est dire que il y a besoin de ban un PHTK douce un PHTK qui paraît plus potable avec des monde qui pas aussi vulgaire mais aussi grotesque que Jovenel avec Matéli
yo besoin créer nous ça donc si yo ba nous ça n'a pas capable confortable mais au fond il y a poil renouveler schéma pouvoir 2010 là Jean Lia mais avec des monde qui plus potable moi crois que intérêt haïtien intérêt démocratique haïtien li passer par premier bagaille li capable Montana li gen droit Montana mais de toute façon faut que négociation li pas fouti renouveler pouvoir Ariel Henry parce que renouveler pouvoir Ariel Henry c'est aller directement vers des élections qui pourraient conduire nous dans renouvellement PHTK. Une responsable parti politique a soit plaidé en faveur d'une entente à travers un consensus pour remplacer pouvoir Ariel Henry à qui l'autre pouvoir transition dirigeant politique là quoi à quoi Montana est capable solution mais de chercher plus consensus tout dans mitan en reste force dans société. En côté, yon l'autre fois, Jean Enol Buteau. Ariel pas qu'à faire élection. Nous sommes conscients de ça. C'est-à-dire, alors, Ariel, un combat pour nous clair. Le président Kennedy mourut en 1963. Immédiatement, Johnson, Lyndon Johnson, prend pouvoir. Par exemple, Florville Hippolyte mourut sous portail. Immédiatement, Thierry Simon Sam, yon choisi Thierry. C'est-à-dire, il y a des mécanismes institutionnels qui pourront remplacer le président. Nous pas de mécanismes institutionnels, ça yon. Ni avant ni après la mort de Jovenel Moïse. Moi, besoin qu'on ait qui côté mécanisme institutionnel sorti qui baille Ariel Henry pour le capable. Ce qui veut dire que faut une bonne forme d'entente qui pour permettre que mettre Evans confortable et ça n'a pas capable de faire. Maintenant, c'est pas Madame Lalime qui est capable de faire. Nous pas capable de et faut nous conscients de ça. Et toute l'autre solution, l'autorité a. Il n'y a pas jamais de solution. Moi, je dis toujours que la politique du fait accompli, c'est de la violence renvoyée à une date. C'est violence la baisse. Sincèrement, moi, je pense que la recherche qui était faite dans Montana, c'est une recherche, et comme Mme Dagadoula, honnête, c'est une recherche innovante. Est-ce que par la suite, il n'y a peut-être pas suffisamment cherché consensus avec la reste population? Ça a été fait, y compris à l'intérieur de Montana. Ça, je ne peux pas douter de ça. Donc, moi, pense que, est-ce que mission Montana, c'est essayer de joindre avec les acteurs politiques? Je ne sais pas, que PHTK est en négociation. Parce que Montana, au début, il était convoqué PHTK tout. Mais il est possible, pour me répondre, définitivement, moi, je ne sais pas. Il n'est pas possible, il n'est pas honnête. Et dit même irrespectueux, dit son manque d'égard pour moun ta dit que on moun qui doublement est ministre sous PHTK pas gain aucun mécanisme institutionnel qui permette nous renouveler pouvoir pour tomber directement dans mes PHTK. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, moi pense que quel que soit acteur politique là, il gain responsabilité de chercher le plus de consensus possible pour nous joindre. Moi gros problème avec cour de cassation, c'est consensus qui est consensus qui cherchait et moi pense que recherche Montana était suffisamment large pour te capable bailler pour te porter collecté Haïti quoi la JKEP à l'autre forme pouvoir pour le faire continuer perd du temps selon coordonnateur adjoint Esiktisa Evans Jean qui croit payant doué rentrer dans élection cependant dirigeant politique là quoi tout insécurité c'est un gros handicap ak élection yo li encourage international à répondre à la demande gouvernement pour voir une force internationale vienne DPNH là pour organiser élection toujours réaction sous de l'année assassinat ce président Jovenel Moïse gien ancien ministre Paul Denis qui croit juridiction qui gagne compétence pour mener crime dans la justice haïtienne li traîner pied dans dossier ça croit tout ancien président Jovenel Moïse pas ka joindre justice kounya à cause de des juridictions qui penchent sur le dossier. Ça. En côté, Paul Denis pour plus de détails. Nous devons avoir un imbroglio, un crime qui commet en Haïti. Normalement, c'est juridiction compétente qui peut mener enquête là. Normalement, c'est Haïti qui peut amener. Naturellement, nous connaissons les faiblesses de la justice haïtienne. Les États-Unis d'Amérique, puisque bien ressortissant là-dedans, et lui prend responsabilité, on prend pour juger une série de monde qui commettent, on prend un crime en dehors de leur territoire. D'ailleurs, c'est une tendance que les États-Unis gagnent là, que la loi américaine lui impose pour n'importe qui question, n'importe qui bagaille qui tape, qui passait en dehors de son territoire. Alors, on nous dit, situation, ça n'a pas facilité, cadeau enquête là, déroulement enquête là. D'ailleurs,
nous songeons gagner un prévenu, un accusé qui était présenté devant la cour, devant un juge aux États-Unis. Eh bien, le ministre de la Justice et des États-Unis, immédiatement, l'ol commence à parler, il a dit de bagailles que le gouvernement américain estimait qu'il est capable, préjudiciable pour sécurité, il a demandé et obtenu du juge que séance pas déroulée en public, que tout s'accomplit au cours de enquête et de jugement, eh bien, tout était secret parce que ça capable préjudiciable à la sécurité des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que Mounsaha et quantité de monde, c'était des acteurs qui étaient en première ligne dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, dont une série de confessions à faire, on ne saura jamais, jamais la vérité. Bref, voici la situation. En fait, à mon avis, s'il y a des officiels du gouvernement que la justice t'a demandé, on prend pour étendre, je veux supposer que au plus haut niveau, on fera le nécessaire pour que ces personnes-là soient entendues par le juge d'instruction. Parce que sinon, on est capable de considérer ça comme un obstacle, on prend à la justice. Et d'ailleurs, pour le gouvernement lui-même, ce serait une bonne chose que les autoriser, ordonner même à des gens qui l'ont gouvernement, qui la justice besoin d'un déo, ou ils mettent disponible pour que il y a le présenté devant le juge pour le juge d'un déo. Toujours avec dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a docteur Ardouin Charles qui pat met de l'eau dans la boucherie pour critiquer autorité judiciaire en Haïti qui a pas traîné pied avec dossier ça. Pourtant, pays États-Unis avancé à bon côté pas le côté Guetta Gemoun qui condamné pour passer toute vie en prison. En côté Ardouin Charles pour plus de détails. De juridiction ça yo, il y avait des gens qui pas marché, qui pas marché. Par mes juridiction américaine non. Donc il était traité dossier à appeler est-ce que vous prononcez le jugement alors il y a son juridiction qui a passé. Son côté au pays a marché, la justice a marché. Mais en Haïti, nous jusqu'à présent, c'est qu'on a après les mondes, nous avons l'impression que c'est un théâtre. C'est bon vrai, justice qui a marché. C'est bon vrai traitement dossier à rappel. Donc nous après les mondes à droite, mon à gauche, mais on ne peut pas attendre rien vraiment qu'il conclue. Ça fait 2 ans que le président Jovenel mourit. Donc nous, ça comme conclusion que je dois dire son pays qui va marcher, son pays la justice qui va marcher, son pays la justice est bancale, son justice qui a été injustice. Parce que ça moi même dit pays va marcher, donc justice va marcher. Principe là dit pas aucun monde qui est au-dessus de la loi. Tout le monde devait ses citoyens y est, devait ses monnaie, la loi faut responsable. Donc la justice qui a relo pour le vintado. Pas qu'il y a moins qui au-dessus de la loi. En même temps, tout accusé, il y a présomption d'innocence. Mais pas qu'il y a moins qui au-dessus de la loi. Côté dans le gouvernement, combattre dans le gouvernement. Côté ancien gros membre. Ancien, qui était dans le directeur général, qui était dans le ministre. Côté chef de la police, etc. Si vous voulez demander pour le vin d'ando, faut aller pour le tando. Pas qu'il y a bagaille pour faire entrave à la justice. Donc, ça veut dire qu'il faut étendre tout le monde. Donc, ça, encore une fois. Ça t'a encore au point qui montrait que vraiment la justice va passer. Il y a des gens qui pas respecter la justice. Des gens que la justice pas arriver sur eux. Mais avec ça, de ce ça pas passer, de ce président Jovenel pas besoin de justice. Tout comme tout, Dorval pas besoin de justice. Tout comme tout, et Jean-Baptiste pas besoin de justice. Tout le monde qui tombe, pas besoin de justice, non bagaille comme ça. Donc, avait dit, pas juste ça, prend-elle, on peut y apprendre, le gouvernement ça va le prendre. Pour tout le monde respecter la loi, pour tout le monde obéir à la loi. Des politiques à Paul Denis profiter à réagir sur l'initiative qui prend pour capable mettre sous pied conseil électoral provisoire pour Paul Denis, mettre sous pied institution ça et puis élargir au conseil transition, hein, pas poter rien dans les autres crises pays à connaître jeudi. En côté Paul Denis. En fait, moi, je ne sais pas ça peut poter. Donc, question fondamentale, dans le pays. Fondamentale. C'est la question de la sécurité. Vous voulez parler d'élection. Moi-même, nous-mêmes, tout le monde veut élection pour nous sortir dans le pouvoir de facto. Cependant, pour faire élection, élection supposée qui ça? Élection supposée circulation, circulation de monde, circulation idée, peut dire à qui monde qui a
qui a marché, qui a circulé à travers le pays. L'idée souvient l'idée. Pas qu'il y a moyen pour transmettre l'idée alors que le pays a envahi, empoisonné avec gang tout partout. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas chez le premier ministre Ariel Henry, c'est que il y a au début de l'année 2022, il prend la parole, il dit élection pas possible. Il dit encore élection pas possible parce que nous ne pas qu'à circuler de un département à un autre, nous ne pas qu'à circuler de une ville à un autre, nous ne pas qu'à circuler même à l'intérieur de un quartier. Il te dit encore élection pas qu'à faire parce que il y a des changements pour nous porter la constitution hein? Et ça après le mandat une convocation populaire, ça doit être fait avant. Il te dit tout gagner Kadermalog là, il y a un pile monde depuis longtemps qui a contesté et fiabilité ça. Et bien, tout à fait élection, top. Et d'ailleurs, il dit, il prend des dispositions pour contracter une firme étrangère, c'était déjà fait d'ailleurs, c'est ce dont je parlais, et qui a expérience sur ça, et qui pour et dit, ça, des malhommes, ça peut en pile monde contester dans le pays, s'il est fiable ou bien s'il n'est pas fiable. Alors, voilà que rien de tout cela. Alors, je reprends les propres mots du premier ministre Ariel Henry. Rien pas qu'on fait sous ça, et puis on parle d'élection, on parle de quel rapport entre Haut Conseil technique avec élection. Donc, on est en train de creuser le trou plus profondément. On n'en sortira pas avec une série de faire semblant. Nous, les élections, il faut organiser les élections. Il faut que ce soit des vraies élections. Et pas un bagage pique collé, on n'a pas de conditions. Et bien, ça, tu vois, faire élection dans conditions, ça a payé à gagner. Même position pour Dr. Ardon Charles qui croit faire gagner sécurité qui établit avant élection organisée pour même parti politique RDNPA, lui souhaite gagner une force internationale qui vient des PNH là. En côté Charles Ardon pour plus de détails. Le conseil électoral, qui va gagner sécurité, conseil électoral, et donc il y a quelqu'un qui va le candidat avec pour insécurité, qu'on soit pas qu'à faire campagne. Donc il faut bagailler régler des préalables pour gagner un bon conseil électoral. Au conseil électoral, qui fonctionne, les préalables, pour offrir à la bien régler. Pour situation améliorée, pour Haïti, bon force qui est capable de répondre et à force illégale ça. Mais comme le pays à son pays faible, on toujours comprendre, on toujours tiendé même argument ça, que le pays a l'Ipanaïta Kounia pour répondre à force illégale ça, qui gagne les armes, comme on dit, les armes en foi. Donc, il même dépasser la police et comme des complicités encore qui fait. Un groupe, ça arrive plus fort toujours. Donc, faut qu'on aide. Mais, alors, faut me nuancer, la question, faut me nuancer que, nous-mêmes, nous n'avons pas pu, et comme d'adouer, parce que Madame Anigala, c'est comme si, n'a pas pu, pour voir ça. Donc, Madame Anigala, c'est mon choix personnel. Donc, nous-mêmes, moi-même, personnellement aussi, on n'est pas appuyé, même besoin pour payer machin. Les bons bagages à faire pour payer machin, j'ai dit pour Haïtien avec Haïtienne, avec Haïtien avec Haïtienne qui a circulé librement, les cas jouent au bien-être, eh bien, moi pour quel que soit pouvoir qui a fait ça. Mais c'est pas ça que et tout positionnement, tout est appuyé, moi, toujours conditionnel. Donc, appuyez-moi, pour pouvoir ça, les conditionnels, quel que soit pouvoir qui a fait, appuyez-moi toujours conditionnel. Et conditionnel, si on répond à des populations. Donc, pour kidnapping vraiment moins, vraiment, il a augmenté dans ça aussi. Avec des mouns qui prennent depuis 20 juin, qui décrètent, ma foi, il a gagné jusqu'à présent, et augmenté mon lieu. D'avoir dit, bon, kidnapping n'a pas augmenté. Le bon marché pressé qui a fait, non, a kidnapping encore, il réchauffé encore. Donc, avait dit, pour pouvoir, là, changer cette stratégie, pour qu'à bloquer la situation, ça, pour ça, il est capable de bloquer, kidnapping qui a augmenté encore, qui a fait une monde en insécurité, qui a fait une monde à conjuguer la peur seulement, qui a fait une monde pas qu'à dormir, pas qu'à circuler dans le pays, pour voir il est là de façon inconditionnelle. Je te signe un accord 21 décembre, mais jusqu'à présent, accord ça, pourquoi implémenter? Ça veut dire, pourquoi on a pouvoir? RDNP, pourquoi on a pouvoir? Pourquoi on est plus demain, si on a pouvoir? Incompréhension, ma d'accueil, RDNP, pourquoi RDNP vraiment n'a pouvoir? À quoi signer, mais à quoi, si on va gagner responsabilité dans le pouvoir? Parce que comme si on va pas c'est comme si on n'est pas, on même j'ai avec n'importe quel citoyen,
qui de leur pays. Donc, c'est dirigeant et dirigeant jusqu'à présent. RDNP, c'est dirigeant. Il n'est pas il a dirigeant. Donc, elle veut dire, c'est nous pouvons pas dire. Nous pas dire ça. Dossier éducation, il y a un syndicaliste José Merlin qui dit qu'il n'a pas pris au sérieux décision responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prend pour ces seuls professeurs qui s'y viennent examiner l'État. D'après lui-même, ça n'a pas porté en rien. Il a continué à critiquer l'autorité éducative qui, jusqu'à journée aujourd'hui, malgré grève qui lance dans le secteur éducatif, le ministre n'a pas jamais prononcé pour répondre avec. Attente enseignant yo. En côté Josué Merilé. C'est la première fois, ministre a dit que professeur voilà tutoriel sur les questions de corruption, examen. Ça toujours dit, c'est le roi souterrain, ouais, il y a des gens qui va gagner en ouais, éducation, qui ont tout petit niveau si là, même dans le niveau de correction. Donc ça, entre ça cap dit, ça cap fait, toujours en abîme de différence. Donc, il y a ça cap dit, ça cap fait. Et je pense que Bonesmi sont beaux parleurs. Je parle en pile, ouais. Mais qu'est-ce qu'a fait dans le concret? Ce tous les discours, Nesmi, comme si vous avez dit, éducation a changé. Professeur, on a dit, il a des conditions de travail, il a des conditions de travail, qui sont marché. Donc ça, c'est le discours, Nesmi. Et après, il y a un monde qui l'a avant et tout. Mais même si, puis, et maton, il a des discours, au lieu qu'il y agit dans le sens pour que les gens ne soient pas marchés vraiment dans l'éducation. Donc, si on est qui a des paroles, qui a des discours qui disent, il a souhaité que, pour une fois, si ça fait un effort, pour que dans le baccalauréat, dans le niveau des fondamentaux, dans tout terme qu'a fait dans tout niveau, enseignants réellement qui impliqués. Mais ça va déranger de nous que la surveillance, que vous voyez des étudiants de faculté, ça n'est pas là. Et le problème, c'est la surveillance, mais la correction, surtout. Ça, c'est le professeur qui peut impliquer. Mais la surveillance, c'est d'avouer pour même professeur d'abord. Et puis si les étudiants qui calent, j'ai cru que ça, c'est mon problème. Mais c'est là, il y a pour des gens qui vont lui-même ou bien des gens qui pas du tout dans ce qu'il y a du tout. Et puis, ils font comme. Et nous, ça fait un peu le dégât. Après, nous avons dit, nous avons pris une note, et ça a été quelques semaines, nous avons dénoncé le fait que, mais si on a des gars qui ont été qui est un pédagogique, qui a été non, qui a évalué, dans le libre. C'est là qu'on peut évaluer. On peut évaluer des connaissances, des apprentissages. Et des faits, si on a des apprentissages, si on a des évaluations d'apprentissage, si on a des apprentissages. Donc, ça, c'est on a parlé, qui a bluffé, mais qui n'a pas du travail pour mettre que. Éducation est marchée. Donc, si monsieur a des soucis pour l'éducation, il va quitter le professeur. Fait 2 mois de grève. Et puis, il était une psychographie, tout cynique, qui a parlé. Et qui était le professeur élève. Il a eu pendant 2 mois, il va me dire rien. Et puis, quand il a parlé d'évaluation. Et puis, ça, c'est ça qui est très cynique. C'est que, pas de autre qui joue comme si pour l'école, c'est de l'ouvrir. Pour une dadi, professeur élève, rattrapé. Au pin lycée, école nationale, nous sommes vraiment grève même. Ils ont tout fait évaluation pendant que l'école a dit non. Donc ça veut dire que l'évaluation est libre et qu'à fait, c'est parce que la bagarre est faite. Deuxièmement, ça vous un niveau. Vous ne pouvez pas l'école du tout. Qui ça est négatif pour les connaissances là? Quand l'école se met totalement, qui ça veut dire que vous pouvez être fier? Quand vous avez des gangs et points comme ça, l'argent content, dans une zone vite et homme, dans une zone canard, vous pouvez côté, gang, c'est un quoi perdu, madame, non? Madame ministre et justice, quand vous avez des gangs, vous pouvez l'école faire. Qui ça veut dire que vous êtes là? Mais ça, c'est pour les lycées qui fait 2 mois. Ils ont dit là, il y a des gens qui sont payés pour les soeurs. Mettez de l'école, mettez manger l'école. Et bien, mettez la pédagogie de l'école. Yo. Et ça, c'est pour les soeurs qui élèvent. Et que les manigas, ça n'a pas de foyer. Parce que nous sommes coincés côté de l'Ibrahim Baïblof. Et puis, il fait 2 mois, vous voyez, à faire comme un vagabondage. Par exemple, il fait. Et qu'il y a un projet d'évaluation. C'est comme si. Il fait sérieux dans l'évaluation, il va sérieux, il va y souci pour que ça soit fait avant même l'évaluation. Donc, parce que ce n'est pas bluff. Ce ministre bluff, c'est pas bluff. Donc, il faut comprendre que ce souci, monsieur, c'est show-off. Responsable collectif avocat qui a défendu à Mounio Abtan jusqu'à présent pour CSPJ fait suivi pour installer comme représentant société civile dans l'institution. Ça, M. Arnel Rémy Baïga, anti-libre à Goumen pour prisonnier à la société. Il m'a dit l'autre organisation qui est en face de rejoindre pour continuer la bataille là pour l'autre société égalité. En côté M. Arnel Rémy. Arrivé au CSPJ, nous parlons bataille sérieusement pour que question. Respect, droit à la présomption d'innocence, droit de comparaître par devant son juge naturel, l'ensemble de liberté individuelle, pour qu'il respecte au plus haut niveau.
c'est bataille pour le mener. Donc, et pas question de pour le jouer privilège, etc. Mais son tâche qui est lourde, son tâche qui est plus lourde au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, ce ne sera pas facile. Et maintenant, je supporte tout le monde, conseille tout le monde. Et merci à toute organisation, tout le monde qui a supporté moi. Comprenez, qui a toujours supporté moi, qui n'a pas la game. Et d'ailleurs, j'invite mes adversaires, si y a adversaire vrai, parce que là, dans la bataille pour respect de l'homme, pas adversaire, j'invite mes adversaires à nous asseoir ensemble pour comment qu'à mettre voix ensemble à PAM pour me faire question de l'homme arriver plus loin. Parce que mettre en éliminance CSPJ, ce n'est pas une victoire, comme si je suis orgueilleux, ils me disent I'm the best. Non, ce n'est pas ça. C'est qui ça ne peut le faire pour les prisonniers, qui ça ne peut le faire pour les gens qui sont en prison, qui ça ne peut le faire pour les gens qui ne peuvent pas juger, qui ça ne peut le faire pour les gens qui mourent en prison sans manger, qui ça ne peut le faire pour les droits syndicalistes, les droits travailleurs, les droits chauffeurs, les droits marchands, les droits de Sarah, qui ça ne peut le faire pour eux, et les droits des gens qui sont dans l'hôpital, les droits syndicalistes, l'hôpital, l'université, l'État, qui ça ne peut le faire pour eux. Donc, bataille en pile, donc, c'est un chat et l'eau qui est sous le dôme là. Donc, on pense que avec Edgar Meta bien sûr et support toute population tout pays hein, et m'a mené à bien tâche que ben moi et que OPC à travers correspondance la adressée avec président de cassation hein, et puis primature juste pour continuer faire des manches et pourquoi pas arriver à installation en CSPJ officiellement avec question en éliminant CSPJ c'est la poursuite de la bataille et c'est le symbole du dépassement de soi, c'est le symbole de la capacité, de la mise en verve, de la mise en vue de la jeunesse haïtienne. Donc, n'importe qui est entré, que le terrain est remis, que jeune haïtien a fait que son jeune pas arrivé dans le niveau sans couper ça, donc a fait que son jeune bon côté, debout jeune bon côté pour arriver, avec choix ça, choix éclairé ça, on pense que c'est mis ça peut le lancer, et un pilote jeune tout à fait là. Après Anel Rémy, il y a un pilote jeune qui est entré dans le CSPJ qui va battre pour respecter le droit de l'homme. Donc, sinon, ça semble penser que et l'OPC a fait le meilleur choix, à mon humble avis. Et je pense que la bataille va se poursuivre, la bataille va continuer. Et nous n'avons pas fait population honte parce qu'il y a un pile de monde qui compte sur nous. Prisonniers, tous syndicalistes, travailleurs, les gens qui sont dans la factory, Anel Rémy campe ensemble avec nous. Et bataille pour respect de mon nom, pas campé. La santé, c'est richesse. C'est important pour que vous fassiez 10 minutes marcher chaque matin et vous faites lever avant même ou manger pour que vous boyez un verre de l'eau tiède. Pour plus de détails, sur ça qui gagne à ouais ensemble avec football, sport, frères et sœurs bien-aimés, n'a fait place ensemble avec Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles lui-même qui a présenté nos rubriques sportives ça. Actualité là, c'est pour sur le plan local. Nous allons parler dossier sélection nationale haïtienne. Bon côté monsieur yo, sélection haïtienne qui s'est fait un mauvais Gold Cup 2023. Éliminé dans phase premier tour. Si gain un peu de discussion, surtout qu'a fait sous réseaux sociaux, des bifs entre Wilded et Belfort, Kevin Fils, ensemble avec Dukens Nazon. Mais là, la CONCACAF lui-même n'a pas décidé de rester chômé pendant le Gold Cup. Là, a fait là, ben, mois septembre à octobre, qui a venu là, troisième édition Ligue des Nations, dans la zone CONCACAF là, lui-même, là, bien pour jouer. Nous avons le calendrier sélection haïtienne lui-même, qui est dans la Ligue A, précisément dans le groupe B. Ya. Haïti lui-même cap gen pour jouer 9 septembre la recevoir sélection Cuba 3 jours plus tard 12 septembre Haïti pral jouer face à la Jamaïque c'est pigou adversaire sélection haïtienne sur le papier parce que nan moment côté n'a pas le sélection jamaïcaine nan li demi-finaliste nan Gold Cup là d'ailleurs c'est seul représentant CONCACAF et on nous dit nan Caraïbes là pardon qui nan demi-finale Ligue des Nations. Haïti a bien pour jouer 2 octobre face à la sélection Suriname et 15 octobre Haïti l'a bien pour jouer face à la sélection jamaïcaine. Après le 2 septembre Haïti a placé Jamaïque et 15 octobre Haïti a recevoir la sélection jamaïcaine. C'est calendrier sélection haïtienne lui-même pour 3e édition Ligue des Nations dans zone CONCACAF lui-même
Haïti qui dans ligue B et dans ligue B A, bon on dit dans ligue A dans groupe B A, même côté ensemble avec nation Sayo, Cuba, Grenade, Honduras, Suriname ensemble avec Jamaïque. Voilà, c'est un même groupe que sélection haïtienne dans les mêmes liés, une ligue des nations. Nous ouais sous format ça qu'a fait sur notre forme 2023-2024, c'est à travers ligue des nations ça, il pourra tirer révérence 6 équipes qui ont pour sortir dans pour ligue des nations pour qualifier pour prochaine Coupe América 2024 là, on a rappelé deux finalistes, on a gagné demi-finale surtout. Il y a même cap gimpo pour être capable d'aller tout. Ben demi-finale, je gagne surtout un match et troisième place, ça veut dire équipe fini. Mais au troisième, ensemble avec quatrième, il y a deux équipes qui ont sorti dans le quart de finale. Je veux dire, dans le quart de finale, quatre équipes pour jouer entre eux et il y a deux qui ont sorti puis bon. C'est eux-mêmes qui pourra le qualifier pour la Copa América 2024. Nous connaissons les États-Unis, les mêmes qui ont recevoir la prochaine édition. Ça. On a toujours parlé football sur le plan local, c'est pour le football expatrié. Nous parlons en République voisine pour nous parler 16e journée Liga Dominicana, les mêmes qui étaient joués dans le week-end qui s'est passé là. Nous parlons de performance grenadier, soit des Haïtiens qui ont joué l'autre bourrois. Et nous avons commencé ensemble avec UIM Football Club qui a recevoir à Delfines. Match là, tu joué dans le stade olympique Félix Sanchez là, qui a accueilli 27 000 personnes seulement. Match là fini au goal là chacun. Pourtant, c'est visite au Théo Viscor là avec James Lake Daniel. Monsieur lui-même, c'est 8e goal li dans la Liga Dominicana saison ça. Là, équipe OIM n'a pas celle de fin bon. Il y a Colombien. Yessi Ménac qui est égalisé dans la 43e minute de jeu. Nous avons tous les goals fait en première période. On a baillé classe et nous dit comportement de l'équipe sur le classement tout à l'heure. Dans l'autre match, nous sommes capables de souligner Atlético Villarreal qui bat Siba au Football Club 2-1. Match ça a été joué dans l'Estadio Olimpico El Condor là, 7000 places. Et Atlético Villarreal qui t'approche voir. Pourtant, c'est Parra qui était ouvert ce qu'on a dans la 34e minute de jeu pour Siba au Football Club. T'as mené. Mais en seconde période, équipe Atlético Villarreal là t'as pral réagir avec deux nouveaux recrues et de nouveaux recrues ça c'est deux joueurs haïtiens s'il vous plaît. La parlé de Roberto Baggio lui-même qui est égalisé dans 72e minute de jeu. Monsieur lui-même qui sous forme de prêt dans l'équipe Atlético Villarreal là on connaissait monsieur qui est brillant ensemble avec l'équipe Violette Athletic Club là pour dernière édition Ligue des Champions de son contre Kafla qui se passe là. Et c'est premier goal Roberto Baggio Lima sous couleur équipe Atlético Villarreal là. Il y a l'autre international haïtien a parlé de Elivens Desjean, qui était fait deuxième goal là pour équipe Atlético Villarreal là. C'est quatrième goal monsieur, déjà joué dans trois matchs dans Elivens Desjean, monsieur qui a bien comporté deux haïtiens ça qui permettent ensemble avec on a parlé de Atlético Villarreal lui-même il a remporté la victoire sous leader Sibao lui-même qui a 36 points les premiers il y a équipe OIM Football Club là le 4e il a 24 points mais il pas pour compte lui Atlético Villarreal qui même quantité points en tout 24 points mais équipe OIM là gon pi bon goal différence plus 3 pour OIM et équipe Atlético Villarreal là lui-même li gagne différence 0 by 17 goals li prend 17 goals. La fin ensemble avec dossier na page internationale là avec Football Club Barcelone. Il y a une direction équipe FC Barcelone en compagnie avec entraîneur Xavi Hernandez Queiroz. Il veut mettre dehors 8 joueurs pour capable fond régresser dans effectif là. Nous parlons bah 8 joueurs que Barcelone décide de mettre à la vente. Il y a un latéral gauche français qui a parlé de Clément Nicolas et Laurent Langlais. Monsieur qui est dans l'équipe Barcelone depuis 12 juillet 2018. Le Barcelone a acheté pour 35,9 millions d'euros dans l'équipe FC Sevilla. Monsieur lui-même depuis juillet 2022. International français 28 ans. Monsieur est sous forme de prêt dans l'équipe Tottenham et un pensionnaire dans la première ligue anglaise. Là. Nous jouons l'autre joueur latéral droit américain et néerlandais à la période de Serginho Gyanites. Monsieur qui est arrivé à Barcelone depuis 1er octobre 2020. Bien que depuis 1er septembre 2022, la sous forme de prêt dans l'équipe Milan ACA. L'autre jour encore, il y a un mi-temps terrain ivoirien, Franck Yannick Kessier, monsieur qui est en Barcelone depuis 4 juillet 2022. Monsieur est arrivé libre, monsieur qui a 26 ans seulement. Et monsieur lui-même qui a été sorti dans Milan ACA, mais là, nous, ouais, Barcelone, voulait mettre monsieur à la vente.
Il y a un autre joueur, la paix de Frick Yannick Kessier, qui a 26 ans. L'autre joueur, c'est Elie Droit, espagnol, 23 ans. Ferran Torres Garcia, qui est en Barcelone depuis 28 décembre 2021. Barcelone d'achille pour 55 millions d'euros dans l'équipe Manchester City. Monsieur lui-même qui n'a pas trop satisfaction dans l'équipe Barcelone. Grotte espagnol, c'est Eric Garcia Malcrete, monsieur qui a 22 ans. Depuis 1er juin 2023, Barcelone a annoncé ses nouveaux joueurs. Monsieur lui-même et n'a pas parlé de bon c'était Eric Garcia et pardon monsieur lui-même qui parle. L'autre joueur n'a pas parlé de Alex Corlado Gutierrez, monsieur formé dans l'équipe Barcelone mais depuis 2018 monsieur dans l'équipe A mais la joue sous forme de prêt dans l'équipe Elche depuis 2022. Nous jouons milieu offensif relayeur espagnol 20 on a parlé de Pablo Torre Caral depuis 1er mars 2022 monsieur a joué pour Barcelone. Monsieur gagne 21 ans monsieur lui-même à nous faire connaître monsieur c'est 20 ans en Ligue 1. L'autre joueur encore il était 21 ans Nicolas Gonzalez Iglesias monsieur formé dans l'équipe catalane depuis 2021 il intégré l'équipe senior là. Voilà, c'est monsieur lui-même qui sous forme de prêt dans l'équipe Valence, c'est joueur ça que équipe Barcelone lui-même lui voulait regresser l'équipe catalane. L'objectif prochain c'est à bien représenter l'Espagne surtout dans les affaires Ligue des Champions que Barcelone la saison passée était une véritable déception. Jonathan Charles t'a présenté nous rubrique sportive là. Moi je merci parce que t'as suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience. Moi pour aller m'a quitter ou n'embra papa manger parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Foucault. Rendez-vous cassé. Pita pour une autre vidéo. Mouah. Bisous, bisous, one love.